Allez, on est parti. Bon, eh ben, déjà, bonjour à tous. Salut Salutations. messieurs, salutations, Salut. la guilde. Merci, Léo, Bah, de merci à l'accueil. vous. Merci de la simplicité de l'accueil. Ça s'est fait comme ça, en un claquement de doigts, on en parlait. Ouais, Aujourd'hui, on est donc à Mythic Game et on va parler un petit peu de ton actu, beaucoup de ton actu, parler de elle et puis si tu veux bien, on abordera également tous les autres projets, un petit peu la façon dont l'entreprise fonctionne. On a des spécialistes, on a des spécialistes sur chaque sujet, tu t'en rendras compte. parfait. Donc normalement, ça devrait pouvoir échanger librement. On va commencer avec un petit portrait ludique qui nous est proposé par notre spécialiste du JDR en plus, à savoir Nicolas, qui a Exagéré. notamment une belle chronique sur la page de Jefferson, qui sera de Ouais. retour la semaine prochaine. Voilà. Donc, ouais, en fait, ça s'est passé comme ça. Pierre nous appelle et nous dit bon, gardez-vous les gars, on va voir Leonidas Spirini. Ok. Et tout d'un coup, ce nom, il a résonné dans mon esprit comme. Ouais, c'est pas une Madeleine de Proust, mais en fait, c'est un nom qu'on connaît depuis longtemps. Et quand j'étais jeune joueur de jeu de rôle, ce qui n'est plus le cas, je suis plus jeune, on ne va pas parler âge maintenant, mais effectivement, j'ai gratté, j'ai dit je le connais ce nom. Donc, je suis allé fouiller, bien sûr. Et Leonidas Vesperini, le mec, il est dans la partie depuis un petit moment. Ah oui, Alors c'est vrai. tu me dis si je dis des bêtises, mais ça a commencé par des piges. Des piges dans des magazines bien connus, comme Cassius, par exemple. Oui, tout à fait. C'est vrai. Ça a été des trades, des traductions, sur du beau jeu de rôle, Shadowrun, Legend of the Five Rings. Absolument. Impressionnant. Oui. Donc voilà, donc le nom voulait dire quelque chose, ça résonnait. Après, le monsieur, il est venu dans les magazines. Je vais revenir sur le jeu de rôle après. On l'a vu dans Lotus Noir, bien sûr. Complètement. Backstab. Ouais. Ah ouais, mais je vois que tu es. On peut évoquer Mana Rouge aussi. Ah, mais bien sûr, bien Voilà. sûr, Et bien puis, bien sûr. sûr, bon, alors, donc là, je parle de la pige, je parle de la trame, mais il y a eu de la créa. Oui. Leonidas Vesperini, on va l'appeler Léo. Il nous a créé des jeux, et des jeux qui ne sont pas passés ni aperçus à l'époque. Je pense en particulier à Toan. Quand le truc est tombé en boutique, j'étais vendeur, allez, putain, la couverture du jeu, c'était un truc de fou. Donc, on a eu Toan, on a eu Dark Earth. Je T'as vois, bossé sur Guild? oui, tout à fait, c'est Guild, qui est vrai. un super jeu d'exploration Surtout la français. seconde édition, moi. Ouais. Mais c'est un jeu qui n'est pas passé inaperçu aussi, donc bravo, Ben, Guild. merci, merci. Et donc voilà, on a vu la traduction, des piges. Je sais pas à quel âge t'as commencé, mais j'ai l'impression que le tout petit t'est tombé dedans, en fait. Et puis, il y a eu Redoc. T'es passé en rédaction sur Lotus Noir qui a repris à un moment. J'ai compris que tu as pris le relais. Donc il y a eu du jeu de rôle, il y a eu du jeu de cartes. Mana Rouge, c'était ton bébé. Tu as fait des apparitions dans Ravage. Oui, J'ai et pas puis loupé. après, je l'ai même repris, Ravage. Et tu as même repris Ravage. Donc voilà, donc le monsieur, quand je vous dis qu'il est dans la partie depuis un petit moment, c'est pas rien. Effectivement, ouais. Et Oui. ça nous a amené à la création de Mythic Games qui a été lancée en janvier 2016. Exactement, C'est bah dis ça? donc. Belle préparation, hein, là, je vois Donc, que. bah moi je dis chapeau bas parce que c'est vrai que sur le coup, effectivement, moi mon univers c'est plus le jeu de rôle et les jeux de plateau et ou les jeux avec figues, c'est pas ça qui m'attire au début, même si on va revenir sur elle et là je crois qu'il y a un buzz, puisqu'on va tirer sur Même quand on le. est rôliste et même Même quand on est surtout rôliste, quand ça on nous est parle, rôliste. justement, C'est un sujet qu'on va ça nous aborder. parle, mais on va y venir après, effectivement. Et bah je me suis rendu compte que ce nom-là il était pas, allez, je passe pas la pommade, hein, mais Non, ouais, mais tu nous accompagnes, nous joueurs, depuis un petit moment. c'est vrai. Donc, bah, good job, bravo. Je pensais que c'était difficile de faire carrière dans ce domaine. Ah, Mais ça fait quelques années que j'y suis, oui. ouais. Donc voilà rapidement, où est-ce qu'on se trouve aujourd'hui entre les mains de qui? Donc c'est un monsieur qui a fait du jeu de rôle, du jeu de cartes, du jeu de figues, du jeu de plateau. Donc je crois qu'il sait de quoi il parle. Oui, je pense que c'est bien de savoir d'où on vient pour savoir où on va, comme on dit souvent. Là, on est sur une proposition qui est quand même une petite révolution au sein de l'équipe de Mythic, même si il y a de l'antériorité avec Solomon. Là, il y a quand même une grosse orientation JDR. C'est ce que Oui, nous, on totalement. a ressenti dans Ah, mais l'équipe. c'est totalement Je ça. pense que c'est assumé de votre part. Bon, tu as beaucoup présenté le jeu côté fluff parce que on n'était pas encore dans le lancement du KS. On a la chance, malgré tout, d'arriver après le lancement du KS. Finalement, je trouve que c'est une bonne chose.
Il y a eu beaucoup d'interviews avant qui nous ont beaucoup apporté. Et donc, ce qu'on voudrait aujourd'hui, c'est principalement parler des systèmes qu'on a pu étudier, puisque je rappelle que les règles, elles sont disponibles sur la page du KS en français et en anglais. C'est un virage pour vous. Qu'est-ce que tu peux nous dire sur les aspirations que vous avez en fait sur ce jeu? C'est l'un des premiers projets qui a été conçu totalement en interne par l'équipe de Mythic Games et qui est un projet passion. Sans, c'est pas une commande, c'est pas ah, tiens, ce serait bien de faire un jeu là-dessus. Ouais, surfer sur la vague. Voilà, pas du tout. C'est une proposition très personnelle et qui vient de deux personnes qui ont été marquées par le jeu de rôle aussi. Alors, tu parlais de mon passé, de mon background de rôliste, je viens de là. Et donc, depuis les débuts de Mythic Games, on a toujours fait des jeux qui racontaient des histoires, qui avaient un univers fort, développé et tout ça. Mais C'est quelque chose de naturel c'est ou c'est quelque chose. une volonté que vous entretenez? C'est les deux, je dirais. C'est naturel et c'est une volonté. On veut. Est-ce que vous avez une lecture du marché qui vous a dit C'est le moment c'est le moment? Ou est-ce que tu nous en as parlé, ça fait 2 ans que vous êtes dessus. Il y a 2 ans, on était dans les prémices du retour de l'univers rôliste, mais on n'y était pas encore. Là, on sent vraiment Ah que le oui. jeu de rôle Ah oui. est en tour. Alors, est-ce que pour vous, c'était, voilà, vous avez eu une bonne L'intuition. lecture du marché, ou est-ce que vous avez dit, voilà, c'est de ça qu'on a envie et on veut faire pendant. C'est d'abord une volonté, c'est d'abord une expression personnelle de ce qu'on a envie de faire, des jeux qu'on aime et ce qu'on aime faire. Donc on a après, bien entendu, on tente des choses, on fait des jeux différents, ça marche plus ou moins bien, ça dépend. On essaye toujours de se renouveler, mais c'est vraiment la base. C'est pas de se dire ah on va faire. Alors voilà, pour bien que ça marche, il faut faire du narratif, horreur, etc. Machin. Non, c'est pas du tout ça. C'est vraiment. D'ailleurs, l'origine du jeu, je pourrais en parler, montre que ça n'a pas été conçu comme ça en fait. C'est parfois du hasard, c'est quelque chose, mais c'est pas une recette qu'on applique. Voilà, c'est vraiment le truc, c'est pas une recette qu'on applique. Et sur tous nos jeux, mon passé, mais celui aussi du reste de l'équipe, fait qu'on se dirige vers ça. On a une affinité pour la figurine, donc on aime faire des jeux Ouais, avec ils des sont belles figurines. On aime les univers fouillés parce qu'on vient du jeu de rôle. On aime que ça raconte une histoire parce que finalement, le plus important, c'est que on vive une histoire. On n'est pas en train de déplacer des petits bouts de plastique. On vit une histoire. On est transporté dans un univers Merci. et immersif. Et quand on arrive à faire ça, c'est là qu'on est content. Et c'est ce qu'on veut apporter. C'est ça. C'est plonger les gens dans un univers, dans une histoire, qu'ils aient des souvenirs, que quand ils en reparlent, ce soit avec émotion, et c'est toujours ce qu'on essaye de faire. Dans tous nos jeux, il y a ça, il y a quand même toujours une histoire, il y a toujours un univers fort, mais celui-ci, c'est le plus narratif, avec Solomon Kane, c'est vrai, mais le plus narratif qu'on ait fait. Et en effet, ça se rapproche de la conception d'une campagne de jeu de rôle. Voilà, c'est vraiment l'idée, c'est on fait une grande campagne. On est dans un univers à secret, comme il y a des jeux de rôle à secret avec des univers. On a des personnages avec un background très fouillé chacun, donc qui vont être mis sur le devant de la scène à différents moments, et tout va être raconté au fil de cette campagne. On pense à des grandes campagnes de jeux de rôle qui nous ont marqués, et voilà, on voudrait que ce soit ça. C'est vraiment l'objectif de ce projet-là. Et à la fin de cette grande campagne, eh bien, on sait tout. Il va pas y avoir 50 000 extensions, 50 000. Il y a une proposition qui est claire, qui est cadrée, qui est dans cette campagne. Est-ce que dans une société, j'utilise souvent le mot très Netflix, où on est dans la consommation immédiate et on est dans un rapport de temporalité très courte au niveau de notre consommation, est-ce qu'un jeu comme ça, avec son ambition qui est de tenir les gens plusieurs centaines d'heures, est-ce que vous avez l'impression que vous allez trouver votre public et qu'un jeu comme ça a sa place en fait aujourd'hui? Alors, c'est pas plusieurs centaines d'heures, je pense que c'est une centaine d'heures, entre 80 et 100 heures, pour finir la campagne.
Je suis conscient de ça. C'est vrai qu'on est dans un mode, dans une société de consommation à outrance. Ouais. Et il y a tellement de jeux qui sortent, tellement de bons jeux même qui sortent que très souvent, les gens accumulent les jeux, ils font une ou deux parties, ils disent ah c'est bien, j'y rejouerai, puis ils reçoivent un autre jeu et ils rejouent. La pile de la honte. La pile de la honte, exactement. Donc on s'adapte à ça. Et la manière de le faire, c'est de faire en sorte que le jeu, un jeu en campagne, puisse se qu'on soit dans les meilleures conditions pour pouvoir le faire facilement. Mmh. Et donc, ce qu'il y a dans ce jeu, c'est que on n'a pas besoin, je connais sur les jeux de rôle, c'est difficile de réunir une même équipe sur plusieurs mois. Exactement, c'était ma crainte, moi, parce que vous conseillez de faire, de préférence, toute la campagne avec les mêmes personnes. C'est-à-dire que vous, c'est bien écrit dans les règles, et c'est un conseil. Il est vraiment précisé. Mais ce n'est pas indispensable. Non, et c'est ça qui est bien, c'est que le système de progression et le concept même du jeu fait qu'on n'est pas obligé. Déjà, on n'incarne pas un personnage, on incarne un clan. Mmh. Et on va être amené à jouer tous les personnages de ce clan, de bien les connaître, avant, plus tard, peut-être, de s'identifier plus à l'un d'entre eux, en fonction des choix que on va faire parmi les joueurs. Comme dans n'importe quelle bonne campagne de jeu de rôle, c'est les rapports qu'on a entre les différents joueurs qui sont intéressants. C'est de provoquer des décisions difficiles, des situations de malaise parfois, de choix cornéliens et tout ça. Donc c'est ça qui est intéressant et c'est pour ça que c'est plus intéressant quand on joue avec la même équipe. Mais on n'est pas obligé, on va jouer plusieurs personnages différents et on peut tout à fait, le système de progression fait que on peut très bien, d'une partie à l'autre, continuer la campagne avec des joueurs différents, avec un nombre de joueurs différents. On n'est pas obligé d'être le même nombre de joueurs. Il faut qu'il y ait quand même au minimum toujours une personne qui reste commune. Mais on peut supposer que celui qui a le jeu sera tout le temps là. Quand même. Donc voilà. Et voilà. Et l'aventure progresse petit à petit comme ça avec un système assez judicieux qui n'impose pas un nombre de joueurs identique à chaque fois, et qui n'impose même pas que ce soit les mêmes joueurs d'une partie à une autre. Évidemment, c'est préférable. Me voilà rassuré. Voilà. Voilà. Donc, tu vas pas avoir des problèmes dans la compréhension du scénario si tu commences une partie du jeu avec un temps de joueurs, et puis après tu as un roulement entre les joueurs. Est-ce que le nouveau qui va venir en cours de route ne va pas être perdu dans tout ce qui a déjà été construit? Non, parce que c'est comme une série, en fait. Voilà, ceux qui ont suivi tout depuis le début, ils savent mieux, mais la personne qui va arriver, elle va savoir, voilà où on en est de l'histoire, il s'est passé ça, ça, ça. D'ailleurs, ils vont le raconter comme une histoire, ils vont pas raconter comme quelque chose de scénario. Voilà ce qui s'est passé. Et ensuite, c'est un nouveau scénario. Chaque scénario est totalement, il est inscrit dans une campagne, mais il est totalement autonome. Donc, les choix qu'il va être amené à prendre, c'est par rapport à son personnage, par rapport au scénario qui est proposé, et voilà. Et ce qu'il y a de bien aussi, c'est que tout ce qui a été fait avant se résume de manière très simple. Les personnages vont gagner de l'expérience. Les personnages qu'on a vont gagner de l'expérience. Et la façon dont c'est géré est justement subtile parce qu'ils vont gagner de l'expérience avec une nouvelle carte de héros qui est rajoutée à leur paquet de héros. Mm-hmm. Donc, et au début d'une aventure, en fonction, donc plus il y en a qui ont été débloqués, plus ce personnage a de possibilités de choix. Et au début de l'aventure, un héros qui a par exemple 7 cartes de héros parce que les joueurs qui l'ont incarné avant ont été bons, eh bien ça bénéficie à celui qui joue ce personnage. Et au début du scénario, on doit simplement choisir 2 cartes héros parmi toutes les cartes héros disponibles. Ah d'accord, OK. C'est comme ça que ça marche. La possibilité de recentrer le héros en fonction de sa façon de jouer. Voilà. Il a été fluffé il a évolué en fait dans la partie avec tout un ensemble de cartes. Et on va pouvoir le réhabiliter en fonction de ça. On entend le début du scénario. Voilà, ça va être ce type d'objectif. Donc déjà, il va falloir choisir quel héros choisir, parce que c'est en général 4, mais ça peut être 8, parmi ceux qui a à disposition. Et ensuite, une fois qu'on a fait son choix, on choisit 2 cartes de héros parmi toutes celles qui sont... On va se stuffer en fonction du scénario. Voilà. Ouais, la mise en place fait partie du jeu. Ouais. Elle fait partie du jeu et donc ça ne pose pas de problème. Comme on n'est pas identifié à un personnage, mais on joue à un clan, c'est pas grave si à un moment, il y a d'autres personnes qui vont influencer. Jusqu'au moment où la campagne va évoluer, mais je veux pas non plus spoiler. Non, on n'est pas là. Mais à un moment, peut-être que les choix vont se restreindre, et à un moment, peut-être qu'on va arriver à devoir plus s'identifier à un personnage en particulier, et les règles peuvent changer, peuvent évoluer en cours de campagne. C'est ça aussi la proposition, c'est que
On n'est pas dans du classique, il faut s'attendre à plein de choses au cours de cette campagne. Les règles du jeu peuvent changer. Et on, alors, on a annoncé certaines choses sur la page Kickstarter, parce que il faut quand même dire des choses, on peut pas dire faites-nous confiance, c'est super, achetez. Je peux rien vous dire, mais c'est super. Les figurines sont magnifiques, on peut pas vous les montrer. C'est difficile de faire la promotion d'un jeu comme qui est basé sur le secret du scénario. Le secret même des figurines qu'on découvre. Alors on s'est dit, il faut qu'on les montre, parce que sinon, les gens, on aura beau dire, si on montre pas ça, par exemple, on a beau dire, on a une super belle figurine, elle est grosse et tout, mais je peux pas vous la montrer. On peut pas faire ça. Et par contre, si on montre les figurines, mais que on ne dit rien. Rien dessus. Ah bah nous, on a déjà bien fantasmé dessus, je te le dis. Les gens vont s'imaginer des choses, et puis après, vous allez les découvrir en même temps que vos personnages, et vous apprendrez les informations sur ces personnages en même temps que vos héros, ceux que vous incarnez. C'est ça, en fait. Est-ce qu'il y a un côté legacy? Oui, il y en a un. Alors, d'une certaine manière, il y a un côté legacy parce que... Tu vas pas me faire déchirer des cartes, non? Non. Il y a un côté legacy, mais on n'abîme pas le matériel. Okay. Voilà, c'est ça. Et j'ai vu que les gens y étaient très sensibles, parce que certains se disent, j'ai envie de pouvoir recommencer la campagne si je veux, la refaire en solo si je veux, etc. J'ai pas envie. Alors, on avait prévu des autocollants, des stickers qu'on pouvait coller. Même s'ils étaient détachables, ça plaisait pas aux gens, donc on avait fait évoluer ça. Donc on va peut-être garder des stickers, mais plus pour les règles optionnelles qui sont rajoutées au fur et à mesure du jeu, qu'on pourra mettre sur le livret à la fin. Mais par contre, les évolutions éventuelles des caractéristiques des personnages vont se faire avec, comme on a débloqué un double épaisseur du plateau, ça veut dire qu'il y a des insertions qui peuvent se faire, et donc on peut remplacer des caractéristiques ou des choses sur la double épaisseur et les retirer après si on veut. Voilà, dashboard qui me fait vraiment penser à une feuille de perso. Exactement. Ah mais d'ailleurs on l'appelle fiche. C'est le fiche des personnages. On l'a pas appelé. Avec des caractéristiques. Ah bah typiques. Voilà. Ah, oui. Bah, voilà. C'est un clin d'œil évident. Je rebondis sur ce que tu disais sur la progression des joueurs. C'est aussi une progression du scénario qui dépend, d'après ce que j'ai compris, de comment tu arrives à atteindre les différents objectifs d'un scénario. C'est ça. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui. Alors, ce qui se passe, c'est que au début d'une partie, il va y avoir une présentation du cadre. Il va y avoir donc du cadre et du type de scénario. Voilà. Alors, c'est narratif, c'est une présentation. Ensuite, on va devoir choisir des héros, alors de différentes façons. Parfois il y aura des choix qui seront imposés, parfois c'est vous allez pouvoir en drafter, en choisir parmi ceux-là. Parfois celui-ci n'est pas disponible parce qu'il est malade ou parce que dans le dernier scénario vous l'avez laissé blessé, vous pouvez pas le choisir. Il va y avoir un certain nombre de choses, toujours parmi ces 13 héros qu'on a bien présentés. Et donc il y a ça à faire, et il va y avoir aussi une carte de scénario, alors je sais pas si j'utilise le bon terme, mais qui va parfois être utilisé pour juste un scénario, parfois pour deux scénarios qui sont liés et qui sont censés se dérouler simultanément, puisqu'on a des phases dans le camp, on a des phases d'expédition. Ouais. Les phases d'expédition peuvent être simultanées à celles du camp. Et ça se passe comment? Il y a des gens qui vont jouer dans le camp et des gens qui vont pas jouer dans l'expédition? On joue toujours un scénario à la fois. Okay. On ne joue qu'un scénario à la fois. Donc si on fait l'expédition, qui se passe en même temps que le camp, par exemple, on joue les personnages qui partent en expédition, on ne joue que ça, on ne joue pas l'expédition, et puis le scénario d'après, c'est le camp. D'accord. Et cette carte... Tu peux avoir un scénario dans le camp. Il y a tout ça. Il y a des scénarios de type camp et il y a des scénarios de type expédition. Quand tu parles scénario, ça fait pas partie des 13. En fait, dans chaque scénario, tu as plusieurs petits scénarios. Oui, il y a les champs qui sont divisés en 3 ou 4 scénarios. Voilà, c'est ça. Voilà. Et il y a 13 champs qui constituent la campagne. Donc, ça vous fait une quarantaine de scénarios. Et comme il y a au moins 2 heures, c'est pour ça que ça fait au moins 80 heures de jeu estimé. Quand on rejoue, un scénario parce qu'on l'a raté, et ça on pourra y revenir. Ça rajoute. Et puis parfois on peut jouer plus que 2 heures. Ça dépend du temps comme dans un jeu de rôle. Les gens ont envie de temps en temps de prendre leur temps. Donc c'est pas chronométré, c'est pas. Ou à l'inverse, de rusher 2 scénarios dans l'après-midi si t'as envie. Et on peut rusher 2 scénarios dans l'après-midi. Et donc cette carte de scénario, juste pour finir, parfois elle est sur un seul scénario, donc un scénario de type expédition. Parfois, elle va compter pour 2 scénarios. Ah. Et c'est le cas, justement, des 2 scénarios du départ. Mmh.
Et donc, qu'est-ce qu'elle indique sur cette carte de scénario? Elle indique différents objectifs, mais on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'il faut faire pour réussir forcément. On sait qu'on a des choses à faire, mais on ne sait pas à partir de quand on aura réussi. Ouais. Et donc, au fur et à mesure du scénario, on essaye de faire ce qu'on a compris par rapport à la présentation des choses. Vous avez des chapitres narratifs qui vont vous dire, ah ben, déplacez ce compteur d'une case vers la droite. OK. Vous avez des compteurs qui vous disent, attention, si vous atteignez zéro, par exemple, de morale, vous avez perdu dans ce scénario. Si telle chose, si Alvar meurt, vous avez perdu dans ce scénario. Donc, si okay. ça arrive, on a raté le scénario automatiquement. Alors, des conditions. Moi, il y a une chose, je t'ai entendu dire deux choses sur deux lives différents et qui m'inquiètent. Je suis un mauvais joueur, moi. je suis un bougon. Je t'ai entendu dire, si on n'arrive pas à aller au bout d'un scénar, faut le recommencer jusqu'à ce qu'on réussisse. Okay. Et je t'ai entendu dire également, pas tout à fait, il y a quand même différentes façons de réussir les scénarios. Mm-hmm. Ce qui m'inquiète dans un jeu de cette ampleur, de cette envergure-là, on a parlé de la difficulté à réunir des gens. Mm-hmm. On a parlé de la difficulté d'avoir de la régularité. Mm-hmm. Est-ce que t'as pas peur qu'à un moment, on arrive sur un scénar, on est bloqué, dedans, quoi. On n'arrive pas à le passer. Non. Et je comprends. Oui, je comprends parce que on pourrait se dire, bien sûr, on pourrait se dire, si on ne sait pas en fait ce qu'on veut dire par recommencer un scénario, voilà. On pourrait être inquiet parce qu'on pourrait se dire, comme dans un jeu vidéo très très difficile, si j'arrive pas à le passer, je suis bloqué. Voilà. J'essaie deux trois fois, j'arrive pas, je suis bloqué. Ce serait catastrophique, mais ce ne sera pas cela. Ce sera pas cela. On n'ira jamais, on ne sera jamais bloqué dans le jeu. Les échecs sont comptabilisé dans le système de jeu. Et quand on refait un scénario, on ne le refait pas de la même façon. Déjà, voilà. Pour booster. On a des avantages qui font qu'on va le réussir plus facilement la deuxième fois. Évidemment, c'est peut-être pas aussi bien que d'avoir réussi la première fois. Il y aura donc aussi moins de récompenses, entre guillemets. Bien sûr, d'une certaine manière, évidemment. Hein? Souvent, les scénarios sont difficiles, surtout la première fois. Et l'avantage qu'on a à le connaître est très important. On va pas refaire deux fois les mêmes erreurs. Et c'est pas une question de chance qui fait qu'on rate un scénario. C'est pas juste j'ai accumulé les mauvais jets. Donc très sincèrement, on ne sera pas bloqué et de toute façon, on fera en sorte de ne jamais être bloqué. Mm-hmm. Au bout d'un moment, on va le donc ce risque-là n'existe pas. On ne sera pas bloqué, mais on est obligé pour continuer l'histoire. De réussir, entre guillemets, le scénario. Est-ce que c'est un jeu expert? Non, c'est pas un jeu expert. Pour moi, c'est pas un jeu expert. Tu peux jouer avec mes ados? Alors, on a dit 18+ pour, à cause du thème, sombre, des choix difficiles qu'on va être amené à faire, et si on n'est pas, des personnes, on va dire, matures, on peut s'engueuler parce que on va être attaché à ces personnages. On va poser. Tu penses hein. On n'a pas besoin de ça. Est-ce qu'on a la possibilité, quand on se fait courser par un monstre, de faire un croche-patte pour assurer sa propre survie? Mais peut-être bien, justement. Et donc il faut C'est un jeu c'est un jeu accessible. C'est un jeu très accessible. Les mécaniques sont vraiment très simple. C'est vraiment du jeu de rôle au départ, des caractéristiques de jeu de rôle. On regarde la caractéristique qui correspond le plus à l'action. On a un seuil de réussite à obtenir ou dépasser. On additionne les succès. Voilà, c'est très très simple. Mmh. Mais ça ne veut pas dire que c'est simpliste et il y aura vraiment ceux qui aiment bien la tactique sur des plateaux. Il y aura vraiment des choix à faire. Il y aura un ordre important, des combinaisons à faire. Attention, il vaut mieux que tu fasses ça d'abord, etc. Le rôle du chef. Et il y aura une ambiance et du fluff, puisque il y aura des paragraphes qui vont surprendre et qui vont amener ce petit côté mystérieux, surprise. Est-ce que justement, ça va pas faire un peu livre de vous êtes le héros? Le côté, tu arrives dans un endroit, tu retournes le petit pion, va au 152, tu vas lire ton petit truc. Est-ce que dans ces petits chapitres, tu vas avoir justement ces fameux choix? Et est-ce que ces choix vont vraiment être pertinents pour la suite de la campagne? Et je complète, est-ce qu'on n'est pas sur, comme dans certains jeux vidéo, un espèce d'open world à couloir, où on a l'impression d'avoir une liberté totale dans nos choix, alors que, en fait,
bah, finalement, il y a un moment où on va se rendre compte qu'on est obligé de rentrer dans cette fichue grotte et qu'il n'y a pas d'autre moyen que d'y passer. Le risque étant que dans l'univers du jeu de rôle, on en a parlé la semaine dernière avec Fred, on disait, si je veux être totalement libre de mes choix, je fais du jeu de rôle. Si je veux être attaché à la règle, je fais du jeu de plateau. Comment vous avez réussi à gérer l'équilibre? Alors, il y a un côté livre dont vous êtes le héros, qui d'ailleurs n'est pas une référence que nous renions, parce que ça se recherche encore beaucoup. À la différence que dans les livres dont vous êtes le héros, on recommence en disant, et puis il y a des trucs un peu absurdes du style « j'ouvre la porte de droite, je meurs, j'ouvre la porte de gauche ». Alors ça, il n'y aura pas. Il n'y aura jamais ça. Oh. Il y aura plutôt, ça peut être punitif, mais parce qu'on a laissé des indices qui fait que vous n'auriez pas dû faire ce choix si vous les aviez bien interprétés. Okay. Voilà. Donc ça, oui. Mais pas du arbitraire total. Mmh. Ça, il n'y aura pas. Donc déjà, il y a ça. Ensuite, est-ce qu'on est guidé ou pas? Alors, oui, bien sûr que l'histoire va suivre son cours d'une certaine façon. Mais c'est pas pour ça que les choix qu'on fait n'auront pas d'importance sur la campagne et que on est sur des rails et quoi qu'il arrive, il va se passer ça. Je peux donner des exemples. Il va y avoir des choix qui, dès le début du scénario, auront un impact pour tout le reste de la campagne. Et ces choix-là, on ne revient pas en arrière. On peut pas dire, ah ben, on disait que il avait pas fait ça et puis voilà. Non, ça sera pas ça. Et à partir du moment, on aurait dit que voilà. Donc non, ça n'arrivera pas. Si je veux pas spoiler parce que si je donne un exemple concret, ça vous spoile un petit peu, mais on va peut-être filmer quand même les deux premiers scénarios. Ouais. Eh ben, quelque chose qui va se passer avec un des personnages. Si tu as besoin de. Quelque chose sur un des personnages importants va se décider par rapport à la réussite, type de succès du scénario ou pas. Mm-hmm. Tout à l'heure, tu me demandais comment ça se passait. Je disais, ben, on ne sait pas à partir de quand on a vraiment réussi totalement le scénario. À un moment, il y a quelque chose qui va déclencher la fin du scénario et un paragraphe qui va vous dire, voilà, vous avez fini maintenant, dites-moi où vous en êtes sur tel curseur. Ah, vous en êtes à tel endroit, allez lire le paragraphe là. Si vous étiez à un autre endroit, allez lire le paragraphe là. C'est ça qui fait que on a plus ou moins bien réussi. Et bah, par exemple, si on a réussi, donc ça veut dire réussir, ça veut dire qu'on passe au scénario suivant, mais qu'on n'a pas aussi bien joué qu'on aurait pu, eh bien, il peut y avoir des décisions qui, elles, sont irrévocables. C'est ça le truc. Est-ce qu'il y a un horizon où on peut plus redresser la barre dans le jeu? Non. Ou est-ce que, en fait, si loin qu'on... Justement, on veut pas amener les gens dans des choses. On veut pas que ce soit de plus en plus difficile qu'à un moment ce soit. Non, ça sera à chaque fois. Ce ne sera pas ça. Mais par contre, certains personnages disparaissent en fonction de certains choix. Quand ça, on se sera bien attaché. Ouais, quand à on la se sera bien attaché. Voilà, ça c'est possible. Ouais. Et le pire, c'est quand c'est des choix que les joueurs doivent faire. C'est ça. Ah oui, sacrifier telle personne. Voilà, bien sûr. On veut que les gens s'attachent au personnage. On veut que quand l'un disparaisse, on soit triste, vraiment. Et puis il y a plein de secrets. Il y a plein de choses aussi qu'on va découvrir sur les personnages. C'est-à-dire qu'au départ, on donne une biographie des personnages, mais ensuite, on va en découvrir de plus en plus. Ne serait-ce que quand un personnage évolue, en fait, il va avoir des cartes nouvelles et il va y avoir des sortes de flashbacks qui apparaîtront sur la carte du héros. Ah oui, d'accord. Okay. Donc, quand supposons que voilà, qu'il gagne un équipement, et ben on va lire quelque chose qui est lié à cet équipement. Donc, et bien entendu, il y a certains scénarios qui seront centrés plus particulièrement sur un personnage plutôt que sur un autre. Un peu comme dans une série. Mm-hmm. Toujours pareil, dans une série, les protagonistes, ce sont les différents héros, enfin de l'aventure. Et ben à un moment, il y a un point sur un focus sur l'un, et puis il y en aura évidemment sur l'île elle-même, parce qu'il y a une grosse histoire derrière cette île. Il y a beaucoup de choses, c'est derrière tous les personnages, il y a une histoire, et je peux vous dire que ça a été réfléchi de manière très très intéressante par les deux compères David Racotto et Christophe Madura. Et puis toute l'équipe derrière qui développe tout ça. On a appris hier qu'il y avait un nouveau dans l'équipe. Un scénariste. Ah mais oui, c'est vrai. Mais oui, tout à fait. Oui, je me demandais. Alors, je sais pas. Mais oui, c'est vrai. C'est toi qui l'as dit. C'est moi qui l'ai dit en plus. Ben oui, nous avons
un grand ancien comme moi, parce que je l'ai connu, il était, on commençait à peu près en même temps, hein, ouais. Je crois. Il était pigiste, lui aussi. À Casus. À Casus. Alors après, il y en avait d'autres. Hein. Il était aussi pigiste. Il y avait Tatou, il y avait le supplément des cartes. Ouais. Il y avait une belle presse à l'époque. Ouais, il y avait Plasma aussi. Ouais. Il y avait plein. Et puis nous-mêmes, on avait fait un magazine qui s'appelait Quest. Ouais, donc et lui, il écrivait et moi aussi pendant un moment, je vivais de ma plume comme ça uniquement en faisant des scénarios dans différents magazines. Et lui a commencé. Et c'est donc Tristan L'Homme. Tristan L'Homme. Après, ouais. Ah, il est connu. Hein, c'est il a fait beaucoup de scénarios. Oui, campagne de Cthulhu monumentale. Là, il vient de faire Les Encagés, donc il est peut-être dispo pour. Alors, il ne nous rejoindra qu'à partir de cet été. Okay. Hein, là, il est. Donc, c'est demain. C'est bientôt, hein, mais oui. Et donc, lui, à partir de juillet, je pense. Voilà, sur le scénario. Il va bosser sur les scénarios, il va bosser aussi sur le texte, on va lui confier des choses. En fait, on aura un canevas, en fait, puisqu'ils sont déjà tous faits, et il va pouvoir apporter sa patte. S'il veut rajouter des choses d'ailleurs ou des intrigues secondaires, il pourra tout à fait le faire. On va avoir des tentacules dans elle. J'achète. On l'a déjà pris, mais on va en avoir plein. Du coup. Il a quand même dit que ça sera un grand ancien qui arrive. Attention. C'est sa spécialité, la question, quand même. En tout cas, c'est un beau gage de qualité. Ah bah oui, moi je le connais bien, c'est un sacré professionnel. Après, il a rejoint Casus Belli, et moi quand j'allais dans les locaux de Casus Belli, parce qu'à l'époque il n'y avait pas Internet, donc on amenait une disquette pour rendre les... Et oui, pour rendre les piges. Pour rendre les piges, les cartes perforées. Ben, je le voyais, j'ai vu lui, je voyais Fabrice Collin, qui avait été aussi, qui est un très très bon écrivain et rôliste également. Il y avait bien sûr Didier Guiseric, ce que j'ai connu bien avant les passages à une version plus professionnelle de Casus Belli. Donc voilà, toutes ces gens-là, Pierre Rosenthal, voilà, et tout ça, c'est quand même des gens qui ont forgé le jeu de rôle. Nous avons Anne Vétillard aussi, ouais. qui est un sacré nom. Rosenthal qui nous ressort Vaudou, Captain Vaudou. Captain Vaudou, mais oui, complètement. Mais oui, magnifique, ouais. Magnifique. Un super jeu à l'époque, et puis là, une version incroyable. Sublime, ouais. Avec des illustrations de folie et un succès mérité. Donc voilà, c'est. Vas-y. Pour revenir à la mécanique. Oui. Donc là, les scénarios exploration. Mais les scénarios village, qu'est-ce que ça va être ça? Les scénarios expédition, effectivement, ça va être l'expédition de cette île sur laquelle ils arrivent et dont ils ne savent rien. Donc ça va être assez violent. C'est la phase découverte. Des phases découvertes. Il va y avoir du dungeon crawling à ce moment-là. Donc okay, parfois on verra une partie de la map, parfois elle va se dérouler sous vos yeux au fur et à mesure. Donc ça c'est également quelque chose. Il y aura des interactions avec les éventuelles choses ou personnages qu'ils rencontreront. Et là il y aura ce côté narratif avec les chapitres à lire. Et il y aura également la gestion du camp. Parce que ils arrivent sur cette île et il va falloir survivre. C'est un survival horror viking. Donc il y a la survie et l'aspect survie est très important. Et dans l'aspect survie, bah, il faut construire un camp, il faut entretenir, alimenter un feu, il faut se nourrir. Donc tout ça, ce sera géré. C'est de la gestion ? Il y aura de la gestion. Il y aura de la gestion, mais la phase camp, ça va pas être juste de la gestion. Il y aura tout ce qui se passe, ce seront les mêmes règles, les mêmes hexagones, les mêmes choses. Il y aura des événements qui vont se produire avec donc on tirera les cartes événements. Alors, il peut y avoir des attaques, du combat, de l'interaction entre joueurs, des prises de tête, voilà, de l'enquête parfois. Et bien sûr, des bagarres. Est-ce que justement on va partir sur une quête et puis on revient ensuite dans le camp? Oui. Et en fonction de la façon dont la quête s'est passée, il pourrait y avoir des reproches dans le camp en disant « Mec, t'as pas fait ce qu'il fallait ». Absolument, mais évidemment. Et là, prise de tête, quoi. Totalement. Et puis, absolument, mais ça, c'est totalement prévu, c'est exactement l'idée. Et là, également dans le camp, ce qu'on va pouvoir faire, c'est construire des bâtiments. Et ces bâtiments qui vont vous donner des avantages. Mais là aussi, il y aura des choix à faire, parce que vous ne pouvez pas construire tous les bâtiments d'un seul coup. Il y en a certains qui vont prendre plus d'un scénario, il y en a qui vont pouvoir se faire en un seul scénario. Et donc... qu'est-ce qu'il vaut mieux, faire une forge ou faire une infirmerie? La forge. La forge, voyons, la forge.
parlé tout à l'heure qu'on pouvait faire 4 persos jusqu'à 8. Ça veut dire que dans le même scénario, on va pouvoir chacun avoir 2 personnages. Oui, bien sûr. Ah, ouais. Oui, et ça aussi, on joue un groupe de personnages dans des scénarios qu'on se répartit en fonction du nombre de joueurs qu'on a. Donc dans le mode coopératif, qui est le mode principal, mais il y a aussi un mode solo, hein. Mais dans le mode coopératif, si on est 2 joueurs, et qu'on on doit gérer un groupe de 4 personnes, on va jouer 2 personnes chacun. Voilà. Si on est 3, il y en a un qui en jouera 2 et chacun et 2 autres qui en joueront 1. Alors, moi j'ai trouvé assez peu d'infos sur le mode solo. Bien que on se déplace en troupe dans l'équipe, je suis un grand fan des jeux solo. J'aime me retrouver en introspection sur mes jeux. Tu as dit que pas que c'était dommage, mais que il y avait une expérience qui serait différente. Oui, ah, forcément. Alors, c'est à la fois engageant et en même temps, ça peut être déstabilisant. C'est-à-dire que tu te dis, le gars qui joue solo va pas avoir la même expérience. Est-ce que c'est une expérience qui sera galvaudée? Est-ce que c'est une expérience qui sera totalement différente? Est-ce qu'il va vivre les mêmes émotions? Est-ce qu'il va avoir les mêmes cliffhangers? Comment ça va se passer, en fait, ce mode solo? Alors, il y aura les mêmes cliffhangers parce que ce sera la même histoire. Ça, c'est le premier truc à dire. C'est la même histoire. Après, il va y avoir des chapitres ou des paragraphes qui seront rédigés différemment parce que ce n'est pas possible. Et oui, rien que pour le mode solo, on prévoit 300 paragraphes spécifiques au mode solo. D'accord. Voilà, Donc, il va falloir que j'adapte ma façon de peindre. C'est-à-dire qu'on a 600 paragraphes pour le mode coop et on a 300 paragraphes pour le mode solo. Et c'est un livret à côté ou c'est un livret mode solo ou... Alors ça, je ne sais pas quelle forme ça prendra, mais ce sont des paragraphes, ce seront des paragraphes qui sont spécifiquement... Peut-être que ce sera inclus dans le livre de saga, simplement quand on joue en solo, on vous renverra à ces chapitres-là. Voilà, c'est possible que Pierre... Lassé de nous, décide de faire un chant tout seul en solo. Alors ça, c'était la prochaine question. Ouais, est-ce que je peux faire alors qu'on a commencé avec un... Je crois pas. Je pense que... Non, je pense que solo, c'est solo complet. D'accord. Il n'y a pas de possibilité de passer de coop à solo, puis revenir à coop. Non, ce sont deux modes différents. Voilà. Mais quand on l'aura fini ensemble, après, je vais arrêter. Le mode solo, alors, de ce que je sais, il sera plus axé sur la survie. Mais il y aura quand même les rapports et les interactions avec les personnages qui seront importants. Il y aura des choix à faire et on va quand même s'attacher à ces personnages et on va quand même être surpris quand on va apprendre certaines choses sur eux et on va il y aura quand même ce genre de choses là et on veut que le mode solo soit intéressant et il le sera. Il sera. Alors on est en train de rédiger justement parce qu'il y a beaucoup de demandes là-dessus un article qui est fait par l'auteur lui-même, qui est en train d'écrire là en ce moment, et qu'on va poster pour essayer d'éclairer un petit peu plus. Est-ce que quand j'ai fini le jeu, j'ai pas dévoilé un truc tellement énorme qu'au final, ça a plus de sens de le refaire? Ce qui serait pas mal, hein, parce que bon, tu as joué 100 heures à ton jeu de plateau, tu vas pas forcément rejouer à celui-là tout de suite, mais au niveau de la rejouabilité... Ben, je dirais, c'est un peu comme quand on a fait la campagne des masques de Nyarlathotep, est-ce que on la refait, est-ce que c'est le même plaisir? On a le plaisir de le refaire avec d'autres joueurs, mais il y a plein de choses qu'on sait et on a les surprises. Le plaisir, il vient presque de voir la réaction des autres. On devient MJ du jeu. Ouais, c'est ça. Mais donc, non, je ne vais pas dire que quand on a fini la campagne et qu'on la recommence, même si c'est de mode coop ou mode solo, qu'on repart à zéro et on a les mêmes surprises. Non. On est spoilé quand même, on sait des choses. Ouais. Et ça ne c'est plus. Mais l'intérêt, il est dans la narration, la surprise, mais il est également dans réussir ou pas les scénarios, de bien les faire, parce que parfois ils sont durs et ils sont tellement différents les uns des autres, ils n'ont rien à voir. Chaque scénario n'a absolument rien à voir avec l'autre. Donc il peut y avoir des scénarios. J'en ai parlé de Tower Defense par exemple où on est attaqué par des hordes d'ennemis, il faut réussir à faire ça. Il peut y avoir des scénarios d'infiltration, il peut y avoir des scénarios d'escorte, il peut y avoir des scénarios complètement axés sur l'interaction et les discussions, il peut y avoir des scénarios d'enquête. On veut vraiment offrir une très grande variété de scénarios et donc là c'est intéressant
rien que pour le défi de se dire, bah, je joue tel scénario, j'ai envie de voir, c'était, il était vraiment pas facile, est-ce que j'y arrive, est-ce que j'y arrive mieux, etc. Comme, je sais pas, dans des jeux à campagne, comme, on peut jouer, une campagne spéciale que le huitième scénario, il est bien, bah, tiens, je le joue, voilà, ça reste possible. Mais le plaisir de la découverte de l'histoire et des secrets, parce qu'ils sont importants, et ça a été bien pensé, et je pense que ce n'est pas décevant, parce que c'est difficile dans des jeux à mystère de ne pas décevoir. Quand les gens apprennent, souvent... Tout ça pour ça. Voilà, c'est ça. Là, je ne crois pas. Moi, je, franchement, de ce que je sais... Tu moi, connais ça, la fin ? Ouais, je connais la fin. Je connais la fin. Là, tout le monde meurt. Il y a quand même plusieurs types de fins, je suis beau. S'il a tel ou tel bien sûr. Sont morts, si on a fait que des échecs... Ah, bien sûr. Voilà. Non, mais quand je dis je connais la fin, en fait, je connais... Oui, la trame. La trame et... tout ce qu'il y a derrière. Okay, voilà. Le pourquoi, le comment. Les motivations de chacun des personnages, en fait, elles sont très définies, puisque c'est ça, et le, voilà. Et ça, c'est intéressant, et je pense que c'est pas décevant. Voilà. Maintenant, on a donné des indices, hein. Les gens voient un petit peu sur cette campagne, donc on commence à voir un petit peu, mais le plaisir, il va être dans cette découverte. Ouais. Je cherche en permanence des jeux pour jouer en couple. Occuper mes longues soirées d'hiver. Tu sais que tu as d'autres façons d'occuper tes longues soirées d'hiver avec Élise. Parce que là, ça va sentir le poney quand même. Hein, non, mais c'est vrai que c'est un jeu qui peut se jouer en couple. Il n'y a pas de problème. Et certains m'ont dit, ah oui, mais vous dites que les règles du jeu peuvent changer, que c'est un coop, mais ça peut ne pas le rester. C'est vrai. Et il y en a qui disent, ah ben, si ça devient pas coop, moi, je peux plus jouer avec ma femme ou ma copine et donc je n'achèterai pas le jeu. Alors. Ça va dépendre, en fait, des joueurs, en fait, de ce qu'ils ont envie. Ouais, c'est très bien. Tu l'emmènes en lui disant que c'est du coop, puis à la fin, tu l'as pris en morceaux. J'ai bien reculé le levier Sims. C'est la gestion de vie, t'inquiète. Tu restes au camp. Tu vois, le beau petit toutou, bah, voilà, le sacrifier. En tout cas, au début et pendant pas mal de temps, c'est du coop. Ouais. Voilà. Et après, ça évolue, bah, ça dépendra des joueurs et ça dépendra de ce qu'ils ont envie de faire. C'est, on vous met face à des choix, c'est à vous de voir. Et méfie-toi de savoir qui va te trahir, parce que c'est peut-être toi qui va te faire cueillir sans j'en sais quoi. Vous savez que le jeu de Pierre, à la fin, c'est toi qui décide. C'est vrai. Bon, toi, tu meurs. Avec le paragraphe rayé. Alors, moi, j'ai une petite question et une petite inquiétude, c'est au sujet de l'intelligence artificielle des monstres. Mmh. Avec ce qu'on a pu voir, je la trouvais un peu basique. Et en fait, on compensait ce côté basique avec un peu... on balance pas mal de monstres, donc voilà, on compensait un peu pour mettre de la difficulté. Je sais pas... Alors, une intelligence artificielle, c'est toujours plus ou moins basique, puisque il faut que ça agisse d'une certaine façon et avec des critères qui soient indiscutables, qui est pas de, il faut pas que ce soit compliqué. On peut pas la juger uniquement sur les exemples qu'on a donnés parce que ça, en fait, ça sera pas tout le temps pareil. Donc là, on a t'interromps, il y a une centaine de cartes adversaires, donc. On va surprendre les gens sur ces intelligences artificielles parce que de temps en temps, eh ben, ils vont pas avoir le comportement qu'on imagine qu'ils ont. Mmh. Et on se dit, bah, tiens, on les a vus faire comme ça, donc, eh ben, au départ, le but du jeu, c'est de montrer aussi progressivement le système de jeu. On veut montrer progressivement, on veut que les gens l'assimilent et que ce soit pas un obstacle parce que pour une immersion, s'il y a un gros obstacle avec des règles complexes, on est moins dans le jeu, on entre moins dedans. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de faire quelque chose de presque didactique, on apprend petit à petit, on voit un peu les premières mécaniques peut-être classiques d'intelligence artificielle, mais après, on va surprendre les gens, puisqu'il y aura tout le temps des règles nouvelles, des choses nouvelles. On veut casser l'impression de confort, c'est bon. Chaque fois qu'on croira... Il y aura toujours une incertitude. Voilà. Chaque fois qu'on croira savoir comment ça va se passer, on va surprendre les gens. Ouais. En fait, c'est ça. Alors, pour citer l'intelligence artificielle, ce qu'il faut, c'est... On a des monstres qui arrivent, qui sont cachés. Hein, donc, c'est des jetons au départ. On peut pas les attaquer. Mmh. On sait pas où ils sont. Est-ce qu'ils sont dans les arbres? Est-ce qu'ils sont là? On les voit pas. Ils se rapprochent. On sent une menace qui arrive. Donc, déjà, ça, c'est un peu oppressant. Voilà. En plus, il y en a différents types. On ne sait pas à quoi ça correspond, ces différents types. Ils se déplacent et il y a
une intelligence artificielle quand ils sont sous le mode caché, et puis il y a une intelligence artificielle quand ils ont été révélés. Quand ils ont été révélés, bah, c'est assez classique, ils vont se diriger soit vers le plus proche, mais pas forcément. Là, au début, on a donné des exemples avec « ils se placent vers le plus proche », mais c'est pas forcément ça. Ensuite, si ça, c'est à égalité, c'est-à-dire qu'il pourrait, il y en a deux qui sont aussi proches, on passe au deuxième critère. Le deuxième critère, dans ça Blackstone peut être... Blackstone Fortress, tu connais Blackstone Fortress de, oui, de Warhammer. Ouais, ouais. Il y a cette fameuse carte qui te dit si l'ennemi est déjà blessé, il décide de faire tel truc. Voilà. Si vous avez déjà quelqu'un de blessé, il décide de l'attaquer en prévalence. Si vous avez quelqu'un qui est plus puissant et qui a telle position, c'est celui-ci qui va attaquer. Donc, il y a vraiment tout un ensemble de jacks qui sont possibles, en fait. Et donc, si le premier critère est à égalité, on passe au deuxième critère. Et là, le deuxième critère, eh ben, c'est pas tout le temps la même chose. Ça peut être vers l'ennemi qui a le plus de vaillance, donc le plus puissant au combat, ou alors celui qui en a le moins, ou alors celui qui est le plus blessé quand c'est des là. Et puis si encore ça reste à égalité, on passe au rang. Puisque alors ça, on sait qu'il y aura jamais d'égalité, puisque chacun des 13 personnages est numéroté de 1 à 13 en fonction de sa classe dans la société, de son importance dans la société viking. Il y a des jarls, il y a des Bonders, en fait, qui sont les moyens, et puis il y a des esclaves, des enfants qui sont beaucoup plus bas. Le fou, il a un. Le fou, voilà, il a un. La reine a 13, et le jarl a 12. Et donc, là aussi, c'est pas forcément vers celui qui est le plus haut, ça peut être le plus haut gradé, entre guillemets, ça peut être aussi vers le plus bas gradé. Et puis, ça peut être totalement différent. Il peut y avoir, au fur et à mesure du jeu, on peut introduire d'autres systèmes d'IA pendant le jeu, et c'est ce qu'on veut faire. En fait, on veut installer un corps de règles assez simple, et puis ensuite rajouter des petites variantes pour tel scénario ou des choses inattendues qui vont déstabiliser les joueurs. C'est vraiment le but de ce jeu. Au vu de tout ce qu'on a dit, moi, je suis un peu monomaniaque, je me dis, mais est-ce que Mythic Games va faire aussi un virage vers le jeu de rôle, comme on peut le faire FunForge, d'autres boîtes? J'imagine très bien ça, écrit ensuite en une campagne de jeu de rôle quand tout le monde aura déjà découvert l'histoire. Après, le réécrire en campagne de jeu de rôle sur un système JDR, c'est possible que Mythic Games fasse du jeu de rôle? Là, on n'est pas sous licence. Non, c'est une création. Oui. Totale. Donc, vous avez la maîtrise de cet univers, effectivement, comme dit Nicolas, ce que vous allez vous autoriser à élargir. En fait, j'en ai parlé un petit peu aux auteurs, et ce qu'on se dit, c'est que finalement... tout ce qu'on a à dire, c'est déjà dans le jeu. Ouais. Il y a cette expérience-là. Il y aurait rien de plus. Enfin, on proposerait la même chose, mais en jeu de rôle, simplement. Mais ça peut le faire. Pourquoi pas, mais... ceux qui auront joué au jeu de plateau, ils vont se retrouver, ils connaîtront déjà tous ces secrets, ils connaîtront, donc ça, c'est un petit peu la même chose. Mais pourquoi pas, si on est bien clair sur le fait que il y aura pas il faut trouver l'axe en fait, qu'il y aura pas. Après, nous le faire, je ne sais pas. Je pense qu'il y en a beaucoup qui le font très bien. Jusqu'à présent, on a déjà adapté des univers. Jeanne d'Arc, et même Mythic Battles. À l'époque, on était impliqué dessus et il y a eu une adaptation en jeu de rôle. Sur Jeanne d'Arc, il y en a eu une autre que je trouve vraiment très bien faite, qui a été faite par Black Book. Ils ont fait un bon boulot dessus. C'est bien écrit. C'est sur le système Donjons et Dragons 5e. C'est très bien. Il n'y a pas d'envie chez Mythic Games de traduire un jeu de rôle, d'amener le jeu de rôle dans votre catalogue Non, je pense pas. Enfin, a priori, non. Pourtant, je viens de là, vrai. Mais non, je pense que... Moi, ce que j'aime, c'est... rajouter le meilleur de différents jeux et même des différents jeux dans un seul. Donc, tu parlais des jeux de cartes. Les jeux de cartes, on aime les cartes aussi. Il y en a, on en met. Super Fantasy Brawl, c'est vraiment un jeu de cartes, pratiquement. Et ça, on le fait. On aime le côté narratif et l'immersion des jeux de rôle, on les met dans nos jeux. J'aime la figurine, c'est aussi une grande passion, les jeux de figurines. J'ai découvert avec Games Workshop et Space Hulk, Warhammer 40 000, etc. Donc on le met. Et quand on arrive à mixer tout ça, pour moi, ça donne une expérience qui est celle que je recherche. D'accord. Mais pas forcément du jeu de rôle. Pas forcément. Et moi, je suis ravi de ce renouveau du jeu de rôle. Et je pense qu'il y a plein de choses à faire et qu'il y a
beaucoup de gens qui le font très très bien. Mais ce sera pas Mythic Games. A priori, non. D'accord. Je pense pas. Non, ce sera plutôt des partenariats avec des gens qui nous proposent et qui le font bien. L'intérêt qu'on a, c'est qu'on a beaucoup de visuels. Il y a énormément de visuels sur Hell, de très beaux visuels, sur tous nos jeux. C'est quelque chose, dès les débuts de Mythic Games, sur lesquels j'ai vraiment, on a toujours voulu accorder énormément d'importance. Le visuel, c'est fondamental. Ouais. Je sais que c'est quelque chose qui est recherché dans les jeux de rôle. Ouais. Les illustrations. Les illustrations, les belles illustrations, ça plonge dans... Capitaine Voodoo. Bah voilà, par exemple. C'est incroyable. Hein, c'est... Bah oui. Bah, les sujets-là, d'ailleurs, vos bandes annonces sont fantastiques. On en parlait avant de commencer. Ouais, ça beau, fait partie. Ouais. Bah voilà, ça fait partie de l'action. Là-dessus, sur les voix. Ah oui. Bah, les voix du trailer de Hell. On entend, c'est pas un Américain du Texas hein, qui le fait. C'est, je dis ça parce qu'on en a un en plus. Mais on s'est dit non, on va pas faire un truc à l'américaine. Ce jeu, il y a une certaine authenticité. Faisons appel à des vrais Scandinaves. Et ça s'entend dès le début quand ils prononcent les noms des dieux. Bah, on voit que c'est pas des Américains qui le font. Ou alors de très bons acteurs. Ou alors de très très bons acteurs. Et même quand ils ont fait l'animation de la frise, ce sont deux Suédois, enfin un Suédois et une Suédoise qui le font. Et j'aurais dit, surtout, dès que vous prononcez les noms des dieux, bon, sur l'anglais, j'allais pas leur dire, vous parlez avec un accent scandinave à couper au couteau, mais j'ai dit surtout sur les noms des dieux, vous le dites pas à l'anglaise, mais à la scandinave. Voilà. Voilà. Et qui sont ces personnes? Eh bien, ce sont des fans. Simplement, des fans de Mythic Games qui... parce que je reçois pas mal de courriers, de messages, etc. Et qui m'avaient contacté il y a très longtemps. Ça datait de Mythic Battles, en fait. Hein, ouais. Et qui ont voulu venir nous voir à Paris. Ils sont venus deux fois. Une fois lui et sa copine. Ils sont venus et on a des très bons rapports, on a discuté de plein de choses, j'ai parlé beaucoup des pays scandinaves et tout ça. Et au moment de, quand on a fait Hell, parce que j'en avais parlé il y a 2 ans déjà, j'avais montré les premiers dessins, ils adoraient, etc. Et au moment où on a fait le trailer, on était en train de parler de la voix et on se disait, bon, bah, est-ce qu'on fait appel à une voix américaine, un truc un peu... Je me suis dit, mais non, il faut que ce soit l'authentique. Donc, je les ai contactés et on a fait cet essai, et je trouve que ça rend mieux. Ouais, comment c'est passé? Ils ont fait ça à distance ou ils sont venus? Ils ont fait ça à distance. Ouais, ils ont fait ça à distance. J'aurais expliqué exactement le truc. Et il y a même des choses qu'ils ont apportées. Ils ont dit, et si on prononçait au début, un peu comme un chant scandinave, les noms des dieux? Ouais. Et c'est ce qu'on a repris, et ça, c'était pas prévu au départ, et je trouve que ça apporte, ça fait vraiment quelque chose. Et après, la frise animée, ben, on avait fait une frise un peu dans le style antique, et de l'animé, avec les flashbacks qu'on voit de l'île, ben, je trouve que ça donne une originalité un petit peu. Et on a notre gars, parce que tout est fait en interne, hein, c'est pas des trailers qu'on commande à distance, on fait ça. Ouais. Et on a un gars qui est très très fort. Ça coûte beaucoup moins cher. Si vous avez pu le faire faire. Ouais, mais ça lui prend du temps, donc ça coûte pas rien à faire. C'est un budget, mais ça fait partie un peu aussi de notre... on va dire la patte Mythic Games, hein, à chaque fois on fait des trailers. C'est fait à la maison. C'est fait à la maison. Ouais. Et la personne, c'est Fabien Delaruche, tiens, encore à lui rendre un hommage parce que chaque fois, moi, il me surprend systématiquement. Il veut tout le temps se renouveler. Il est très très fort dans son approche. Et bah, je trouve que c'est vrai, c'est pas indispensable. On peut s'en passer. Il n'y a pas besoin d'un trailer, mais ça fait partie des choses. Ça pousse, ça met quand même dans l'ambiance. Même nous, on en fait alors. En tout cas, il est très réussi. Bah, merci beaucoup. Merci. Il est vraiment axé narratif, celui-là. Donc, on n'a pas fait les effets. On y a pensé un moment, mais on n'a pas fait les effets. On transforme en figurine, etc., comme on l'avait fait sur Rage Buster. C'est vraiment la narration parce que c'est le cœur du jeu. Donc, on veut vraiment plonger les gens, voir un petit peu l'ambiance. Alors, il y a plein d'indices qui sont cachés un petit peu dans ce trailer. Mais si vous voyez, au départ, ça commence dans la journée et puis ça termine dans la nuit. Tout comme le jeu. C'est un des stretch goals. C'est un des stretch goals, la bande originale. On a fait une bande originale, et là aussi, mais vous imaginez pas le nombre de gens qui nous ont contactés pour proposer leur service. Sauf que, il y en avait un, c'était vraiment super fort, super pro, on a tout de suite écouté, on a dit, bon, bah, c'est bon. Et ils l'ont fait pour ce jeu, parce que t'as
parce que ça les inspirait. Ils sont forts, hein, c'est des pros hein, qui ont fait ça. On a mis ça à écouter, les gens ont adoré, et bah voilà, du coup on le fait. C'était pas forcément prévu au départ, on s'est dit, bah tiens, ok, combien ça va coûter? Bah on peut faire un stretch goal là-dessus, parce que dans le jeu de rôle, les gens ils aiment bien avoir une musique, une ambiance bien fichue. Et la musique du trailer, c'est aussi, alors moi je me souviens même plus du nom, mais ceux qui aiment les sagas vikings, ils ont tout de suite dit ah mais c'est lui qui a fait le son. Bjorn oui. Quelque chose. Ça doit être un Bjorn. quand je suis arrivé sur le KS Day One, la promesse était tenue, il y avait qu'une boîte. Ouais. Un all-in gameplay. Donc on n'a pas besoin d'acheter quoi que ce soit. T'as toujours été clair là-dessus. Est-ce que ça s'inscrit dans une politique de KS qui normalement est quand même plus régulièrement basée sur il y a une boîte et il y a une super boîte, il y a une méga boîte, il y a la hyper boîte. Et puis ensuite, bon, les stretch goals, des personnages qui sont très intéressants. Et puis m'en veux pas, hein, mais des petits tas de bois où des fois je me dis ouais, bon. Donc voilà, on est sur une structure de KS qui est assez novatrice quand même, parce que cette boîte unique, c'était une volonté de ta part de dire je ne veux léser personne et je veux que quand on achète sa boîte, on puisse avoir la même expérience de jeu intégrale que n'importe qui d'autre. C'était dès le départ voulu comme ça par Christophe et David en particulier, qui se disaient ben voilà, là on a une proposition et on veut que voilà. On ne veut pas rajouter. Les scénarios sont faits, l'histoire elle est faite. On va pas faire artificiellement dire bah, tiens, on vous rajoute un scénario, on en retire un pour vous dire. Mmh. On s'est dit et il ne faut pas que ça dépende du succès. Que l'expérience de jeu dépend. Voilà. Alors d'une certaine façon, ça va quand même dépendre parce que les stretch goals que nous faisons, c'est vraiment pour améliorer l'aspect esthétique du jeu, le matériel, etc. Donc. Ces fameux petits bouts de bois dont tu parlais, ben, en fait, c'est que au départ, t'as des jetons. Ouais, c'est ça, ouais. Et ben, si tu peux avoir des petites figurines entre eux, c'est plus sympa. Voilà. Si au lieu d'avoir une tuile recouvrante qui dit là, ça c'est le cachot. Ben, si à la place t'as un petit cachot en 3D, c'est quand même plus sympa. Ça dépend. Le succès, bah, c'est parce qu'il y a beaucoup de backers qu'on peut se le permettre. Plus il y a de backers, plus on a de moyens, plus on peut le faire. Si on le fait pas. On joue quand même avec un tuile, il n'y a pas de problème. Aussi. Si on n'a pas les petits jetons de morale qui sont des pièces jolies, et aspect métal, mais qu'on a des tokens en carton, ça marche quand même. Ouais. Voilà. Et les figurines qu'on rajoute aussi, les personnages, bah, ce sont des personnages. Pour certains, il y a beaucoup de figurines déjà au départ. Avant même les stretch goals, il y avait déjà 111 figurines. Ouais. Et là maintenant. Alors, quand on regarde tous les jetons qui ont été rajoutés, toutes les figurines, c'est énorme l'offre qu'il y a. Parce que le jeu rencontre un grand succès. C'est notre plus gros succès, en fait. C'est vrai que. Mais au départ, ben, on se disait, ces personnages qui sont des personnages qui rencontrent, on se disait, ben, c'est pas grave, il y aura un token avec le visage, on le joue. Dans le jeu de rôle, on voit pas toujours toutes les figurines, donc c'est pas grave. Je goûte pas mon plaisir, hein, t'inquiète pas. Hein. Et ce qui fait que c'est vrai que c'était différent, on savait pas si ça plairait ou pas, mais dès le départ, on s'est dit, non, c'est pas du kilo plastique, entre guillemets, on va pas rajouter des figurines et ni promettre, on fait que améliorer l'offre, rendre la boîte plus luxueuse qu'elle n'était, et ça passe par des tas de petits détails qui font qu'on sera fier d'avoir le jeu, on se dira... Tout est beau, il y a plein de choses, etc. Et c'est pareil pour les add-ons. C'est-à-dire les achats optionnels. Les achats optionnels, il n'y aura pas d'extension. Pas impérieux. Ouais. Les gens qui achètent le pledge de base unique, puisque c'est au moins c'est simple, hein, ben, ils ont tout. Ils savent qu'ils peuvent jouer à tout, il ne leur manquera rien. Ils auront la même expérience. Ils auront la même expérience. Et après, si on veut aller encore plus loin, Il y a des dés qui sont gravés, qui ont une texture, avec une texture, une ambiance qui contribue à rentrer dedans. Il y a des belles illustrations. On a fait un artbook, un tapis qui est joli, hein, qui prend pas de place. On a remplacé aussi
le plateau est par un tapis néoprène qui amène plus de confort aussi de jeu et qui voilà des choses comme ça. Il en reste un dernier qu'on n'a pas encore révélé, qui va être révélé bientôt. Ah, tu peux nous le dire. Et que tu vas nous le dire tout de suite. Je peux vous le dire. On va laisser le. Enfin, c'est comme tu veux, mais. En tout cas, on a les oreilles ouvertes. En fait, on le révèle vendredi soir. Bon, écoute, il y a des chances que ça sorte en même temps. À quelle heure tu révèles ça? Je pense vers 18h. Ah bah. Mais bon, je n'aurais pas sorti la vidéo avant ça. Si je me bolide comme un fou, ce sera 18h de demain. Donc, je vais le dévoiler pour la première fois ici et maintenant. En fait, ce dernier add-on, ça va être un jeu d'échecs viking. Ah, le fameux jeu d'échecs viking. Et totalement designé avec nos ressources, donc il est magnifique. Alors, vous voyez, les pions, ça va être ça. Alors, non, ça, c'en est un, mais il y en aura d'autres. Hein. Et donc, vous voyez, c'est inscrit dans l'histoire. C'est-à-dire que, voilà, il y a des personnages qui vont y jouer, il va y avoir une importance. Il faut savoir que dans ce jeu viking, ce qui est quand même incroyable, c'est qu'il y a 12 personnages, plus un roi, et il y a des hostiles autour. Donc, on est complètement dans la thématique. Il y a une manière de lier ça, mais c'est accessoire. Il se trouve que ce jeu-là, c'est un classique, il est génial, il est super bien ce jeu. Il se vend, mais il n'y a pas de licence. Oui, c'est un très très bon jeu, avec des déplacements, on doit entourer, etc. On va le faire dans un style superbe. Il va y avoir un tapis néoprène, mais aussi un petit tapis en tissu. Il va y avoir une petite bourse. Ce qui fait que on peut tout transporter dans la bourse, donc on peut le transporter facilement, ou alors jouer avec la version néoprène chez soi, mais si on veut se déplacer, on peut. Et ce qu'on va faire pour terminer, alors je crois qu'il y a trois types de pions différents dans ce style-là, donc c'est joli quoi. C'est, on va faire plus de pions que nécessaire parce que on pourra utiliser ces pions-là pour remplacer les cubes en bois qui vont dire qu'on a fini d'activer ça ou donc plutôt que de mettre des cubes en bois, on mettra ces petites choses là. Voilà, il y a une unité bonus aussi qui pimpe le jeu, voilà. Et donc et en même temps on annonce le all-in. Et ça c'est tellement dans le thème, c'est tellement lié et c'est tellement relié que et ça va être tellement beau parce que là j'en parle mais vous le voyez pas mais c'est magnifique, ça va être pour moi le plus beau, la plus belle adaptation de jeu viking d'échecs qui a été faite et donc c'est un cadeau qui est sympa, ça se joue à deux, c'est quelque chose qui voilà, donc c'est sympa. Voilà ce qu'on va faire. D'accord. Pour revenir sur les stretch goals, c'était risqué quand même de faire des figurines à la place des pions parce qu'une fois que tu te lances là-dedans, si à un moment la campagne marche pas, enfin moins bien, tu vas finir avec des pions, ça va être un mélange. Bah, en fait, c'est un pari mais c'est pas forcément gênant pour dire en fait. Ce qu'on a fait, c'est qu'on avait prévu un certain nombre de choses, et puis il y avait des choses qu'on pouvait vendre en add-on, ou alors proposer et offrir en stretch goal si la campagne rencontre le succès qu'on veut. Je vais donner un exemple, les familiers. Au départ, on avait prévu de les vendre en add-on. C'était un truc optionnel qu'on vendait. Et quand on a vu que ça marchait, qu'on risquait de manquer de stretch goal, ben, on s'est dit, bah, comme ça a marché, de toute façon, la campagne est un succès, et ben, on rajoute des stretch goals. Voilà. Donc, si ça n'arrivait pas jusqu'au bout, bah, de toute façon, comme il n'y a pas de gameplay, mesuré, voilà. On peut très bien dire, bah, ça s'arrête là, et on vend pendant le Pledge Manager plus tard, ou les pions ou les conversions qu'on n'a pas pu débloquer. Donc, c'est vraiment, il n'y a pas d'enjeu, il n'y a pas de risque, parce que il n'y a pas de gameplay, si j'ai pas ce personnage-là, je peux pas jouer. Si j'ai pas ce scénario-là, il manque quelque chose. Là, c'est juste, si vous débloquez tout, bah, vous aurez la totale et on sait jusqu'où ça peut aller. Et donc, on va voir si on y arrive. Tu nous parles des dés, puisqu'on parle de gameplay. Oui. Les gros dés, petits dés. Oui. Alors, il y a des gros dés, il y a des petits dés. Et il y a une raison pour laquelle c'est comme ça. Et ça sera donné pendant le jeu. Au départ, donc je crois qu'il y a 12 dés. Il doit y avoir 6 gros dés, 6 petits dés. Ce sont des dés à 6 faces avec différentes faces. Hein, vous avez vu, hein, il y en a une qui est ratée, il y a un succès, il y en a deux qui ont un succès, il y en a une qui a deux succès, il y en a un avec la face. Alors je peux les montrer peut-être là. Voilà, donc il y a. Voilà, il y a 0. Ouais.
Hein, ouais. Il y en a deux faces avec un succès, ouais. Il y a une face avec deux succès, donc on a une chance sur deux de réussir un succès dans des conditions normales. Vous avez une face couvert, qui est celle-ci. Ouais. Donc en général, celle-là, ça veut dire que c'est raté, sauf quand c'est un jet de défense en forêt. Et donc, et puis vous avez la face spéciale qui est zéro, sauf quand il y a une règle particulière qui dit que les phases spéciales valent un. Voilà, donc c'est tout ça. Et donc, voilà. Et au départ, on peut jouer avec les petits, avec les gros dés, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de différence, ça ne... Sauf qu'à un moment, ça comptera peut-être. Voilà. Et je sais exactement comment, et c'est super. Tu vois pourquoi super on a fait pourtant au début, t'es un homme plein de mystère. Mais j'adore en fait l'idée qui a été trouvée dessus, parce que c'est pas ce que vous imaginez, ça. C'est vraiment bien. Que tu prends plaisir à porter ce projet. Mais oui. Ben, je l'avais dit avant qu'on le lance, qu'on me demandait quel est ton projet préféré chez Mythic Games. C'est celui-là. C'est celui-là parce que il concentre tout ce qu'on a appris, tout ce qu'on a envie de faire. Voilà, c'est vraiment tout ça dans un seul projet. Et je suis ravi du succès qu'on a. C'est parce que c'était, on savait pas en fait. Hein, on espérait, on se disait voilà, c'est un peu un ovni, c'est un peu un truc très personnel parce que c'est très personnel. Et ben, quand le succès est là, on est content. Alors, c'est pas fini, hein, il faut voir. Ça met la pression, du coup, maintenant, parce que c'était la question qui suivait. La question qui fâche, et que tous ceux qui ont pledgé se posent. Un an, c'est pas un délai un peu trop court, parce que tu nous parles d'écriture, hein, de 13 chants, tout n'est pas encore rédigé. Non. C'est long de rédiger ces choses-là. Voilà, c'est ambitieux, il y a beaucoup de travail en fait. Encore beaucoup à venir. Mmh. Ben justement, on s'est amélioré depuis nos premiers problèmes, on va dire, qui ont été principalement des problèmes de retard. Ouais. Et alors, le principal d'ailleurs, le plus gros problème, enfin le plus gros retard qu'on ait eu, c'est sur Solomon Kane. Mais Solomon Kane, déjà, on a identifié un certain nombre de raisons pour ces problèmes. Pourtant, on avait du monde, hein, dessus. On avait 7 personnes qui travaillaient dessus et qui n'ont fait que ça. Mais on a identifié un certain nombre de problèmes. Déjà, il y avait la séparation géographique, ce qui fait que il y avait le graphisme, l'éloignement qui ont beaucoup joué. Il y avait le game design qui était fait à un endroit, le graphisme qui était fait ailleurs. Une communication qui est pas si évidente, même si c'est la même boîte. Et donc, déjà, ça n'a pas aidé. Ensuite, il y a la quantité de travail qu'il y avait à faire sur Solomon Kane. Or, on n'est pas du tout dans le même rapport. Là, on parle de 900 chapitres à écrire. Ce qui est déjà, 900 paragraphes, pas chapitres. 900 paragraphes à écrire. Ce qui est déjà pas mal. C'est déjà un bon truc. Mais sur Solomon Kane, c'est l'équivalent de la trilogie du Seigneur des Anneaux à écrire. Et ça, Tolkien, il l'a pas fait en 2 ans. Alors, je sais pas quoi. C'est du digne de Tolkien, hein. Mais c'est pour dire, c'est colossal. Et tous les aspects du jeu sont complètement démentiels. On est parti sur une folie, un petit peu sur Solomon Kane. Maintenant, on va l'assumer. Le jeu va être livré. Il va être exceptionnel. Et on a changé un certain nombre de choses, et notamment la façon de travailler, l'organisation. Il va y avoir grosse équipe pour le développement qui va travailler en parallèle, alors que c'était pas le cas sur Solomon Kane. C'était la même équipe qui avançait progressivement. Ils travaillaient pas en parallèle, ils étaient tous ensemble. Vous attendez qu'il y en ait un qui finissait. Ah oui. Ils finissaient une histoire, ils testaient. Hop, ensuite on passe à la suivante. Là, tout le canevas est écrit et on va avoir plusieurs équipes qui vont travailler en parallèle et beaucoup. Hein, il va y avoir beaucoup d'équipes. On recrute pour ce jeu-là des écrivains, parce qu'on tient à ce que le style soit nickel. Alors c'est pour ça que ceux qui nous disent oui attention sur les, on voit des coquilles, repères voilà, virgule, c'est une version de travail, les gens, c'est les développeurs qui ont écrit ça, qui ont fait une version tabletop. Ça n'a pas encore été relu et ça ne présage pas du tout de ce que ce sera à la fin. On prend des professionnels, on a Vetilla, on a Tristan Lhomme là, qui tous ces deux-là sont confirmés. C'est quand même un gage de qualité. Ouais. Rédactionnel et même professionnel, hein, c'est sûr, on pense. Donc, il va y avoir tout ça.
et ce ne sont jamais que 900 paragraphes. Et c'est un jeu qui a déjà été travaillé depuis 2 ans. Donc, et sur Solomon Kane, il y a plein de versions différentes, donc ça nécessitait beaucoup de tests différents. Là, non, pas du tout, c'est fini, c'est quelque chose de concret qui a été réfléchi dès le départ. Jusqu'à présent, on ne s'est pas planté sur ce projet, dans, ouais. On a été prêt, on a toutes les figurines qui toutes sont sculptées. Les échéances que vous avez déjà eues voilà. Ont été atteintes totalement, dans les temps. Totalement. Donc, on peut toujours se dire, oui, mais cette fois-ci, vous n'allez pas y arriver, on va tout faire. Pour, et on n'a pas voulu dire de donner un délai. Les gens, en fait, sont pas prêts. Je crois pas qu'ils soient prêts à se dire un an et demi. Un an et demi. Je pense que les gens sont pas prêts à ça. Et donc, c'est à nous de nous organiser pour faire en sorte que quand on arrive et qu'on propose un projet sur Kickstarter, on arrive à tenir nos délais et que ce délai n'excède pas un an. Voilà. Donc, ça peut être moins. Ah, c'est un challenge que vous vous donnez quand même. Alors, vous partez du principe que. Si je veux être sexy, entre guillemets, faut pas que je propose au-delà d'un an. Donc maintenant, après, j'assume. Et voilà. Et ça veut dire qu'il faut que je me prépare en amont suffisamment pour que ce délai de un an soit. Alors après. Oui, faut pas avoir un Covid. Non. Voilà, c'est ça. Faut pas avoir un Covid. Il y a toujours des choses. Et si on est en retard et qu'on l'explique et qu'on le dit, les gens comprendront parce que je pense que les gens préfèrent quand même que on fasse le nécessaire pour que le jeu soit bien finalisé, plutôt que on tienne absolument un délai, quitte à rusher ou faire. Donc, nous, il nous est arrivé d'être en retard et que ce soit pas nickel quand même. Donc, on va essayer que ce soit pas le cas sur celui-là, ni sur ceux qui arrivent maintenant. Donc, on va voir un peu comment quelle va être la réaction des gens sur Super Fantasy Brawl, sur Solomon Kane, sur Enchanters. Surtout ces jeux-là qui ont bénéficié de nos améliorations. Ouais, parce qu'il faut savoir qu'il y a une latence. Donc les gens sur Rage Buster, par exemple, c'était toujours l'ancienne organisation qui arrive là. Quand on commence à changer quelque chose, on a recentré nos équipes pour que tout le monde soit au même endroit parce qu'on s'est rendu compte qu'on était bien plus efficace comme ça. Et ben ça se voit pas forcément le lendemain, ça se voit peut-être quelques mois après. C'est que après qu'on commence à voir les. Moi sur Rage Buster, quand on a commencé à dire qu'on venait de voir, j'ai eu forcément les gars qui sont venus taper en disant ouais, Rage Buster, pas fini. Et il y a des pledgers de Rage Buster qui ont corrigé, et qui ont mis des commentaires en dessous en disant mais ok, les erreurs étaient minimes et j'ai rien eu à faire, j'ai reçu ma carte. J'ai reçu ma correction, donc arrêtez de grincher. Ben voilà. Je reviens sur ce que dit Pierre aussi, si tu me permets. Bien sûr. Donc comme Pierre, moi j'ai entendu parler de tous ces mots, moi ça m'intéresse pas. Ce que je voulais voir, c'était sur elle, comment c'était foutu. Et il se trouve que j'adore regarder les livres de règles. Et du coup, j'avais une grosse attente personnelle par rapport à ça. Mmh. Et le retour est vachement bien, parce qu'en peu de pages, on a des exemples, on en veut toujours plus. Mais il y a de quoi comprendre, les règles sont très claires, le fond est très lisible. C'est-à-dire qu'on a pas mal aux yeux une fois qu'on a lu le livre, et il n'y a pas spécialement d'erreur dedans. Enfin, j'ai pas vu de. Ben, ça fait plaisir. J'ai passé quoi, 1 heure et demie à le lire peut-être, et en 1 heure et demie, j'avais une bonne idée de à quel jeu j'allais jouer. Voilà. Et aussi, ouais, le même. C'est un exercice qui est extrêmement difficile. Je lis des livres de jeux de rôle depuis je sais pas combien de temps, je lis des livres de règles de jeu depuis je sais pas combien de temps, et plus d'une fois, je me suis retrouvé à la fin en me disant mince, j'ai rien compris. J'ai rien compris. Et là. C'est toi, ça, Toto. Merci. Peut-être. Et là, je me dis, bah, ok, ce jeu, il a l'air super sympa. Bah, ça fait plaisir. Bah, voilà. On essaye de s'améliorer et ça me fait plaisir d'entendre ça parce que c'est vrai que, je vais dire, les gens sont impitoyables parfois et surtout, ce qui est de terrible. Le français grincheux. Voilà. Et puis, parfois aussi, c'est. Il y a beaucoup de gens qui se font des opinions sans même avoir vu, ils ont entendu et donc ils reportent ça et pour eux c'est la. Ah bah, l'exemple que je te donne du gars qui pèse et qui dit mais ferme-la mec, moi ma carte je l'ai eu dans les. Bah voilà, mais c'est quoi, ça. Tu parles, le jeu tu l'as même pas eu. C'est pour ça. Voilà. Oui, bien sûr que tout soit pas parfait et on en est conscient et on essaie de s'améliorer, mais après il faut voir le jugement de ce qu'est un jeu, c'est quand même ceux qui l'ont reçu qui y jouent. Qui sont le plus à même de le dire que ceux qui ont entendu parler de il y a ce problème là et voilà qui se font une idée simplement sur ce qui des fantasmes voilà
Donc, grandes vacances 2021, on joue à elle. Voilà. Ouais. Oui, bah, on se met dans le congélo. Exactement. Exactement. Et encore une fois, on va tout faire pour tenir les délais. Mais si, pour une raison inattendue, il fallait prendre plus de temps, parce que sinon, on risquait de rendre quelque chose de pas, tant pis, s'il y a un choix à faire entre la qualité et le retard, je préfère qu'il y ait le retard, plutôt que de baisser la qualité. Maintenant, quand on donne des délais sur Kickstarter, c'est toujours une estimation honnête et sincère, ce que nous faisons. Donc, on s'est trompé parfois, mais on était sincère quand on l'a dit. Et sur elle, on pense sincèrement que on a de bonnes chances de tenir ces délais. Maintenant, il y a des choses qui sont imprévues, et les imprévus. Donc, ce sont des estimations, mais ce ne sont pas des garanties. C'est pas un jeu qui existe déjà et qu'on va livrer aux gens. Ou là, en effet, quand c'est totalement terminé. Mais s'il est là, écoute, arrête. Si je synthétise un peu ce que tu nous as dit sur, parce que moi je t'attendais énormément là-dessus, sur comment j'organise le projet pour que la date d'un an soit tenue ou pas loin. Parce que ouais. La vie est la vie. Hein. Ouais. Ok, on a compris qu'on avait un problème d'organisation. Ouais. J'ai remis les personnes à travailler ensemble, ouais. Ce qui pour moi est une très bonne idée. Ouais. J'essaie de faire du travail en parallèle pour aller plus vite. Ouais. Très bonne idée aussi. Et pour la finalisation, je fais appel à des professionnels de l'écriture. Gage de qualité. Voilà, c'est ça. C'est à peu près, c'est ça. C'est résumé, c'est exactement ça. Je te le redis, je t'attendais beaucoup là-dessus. Ah bah. Parce que pour moi, la tenue du délai, c'est vachement important. Ah, bien sûr. On ne parle pas d'un mois de retard. On parle de projet. Non, absolument. Oui. Et il y a eu beaucoup de questions dans les différents réseaux sociaux qui disaient, OK, ce jeu-là, quand est-ce qu'on l'aura vraiment? Oui, bien sûr. Et, ça évidemment. Ouais. Ben voilà. Et nous savons aussi que nous sommes attendus là-dessus. Et je peux vous dire, quand je dis on le sait, il ne faut pas croire qu'on est dans des certitudes, on s'en fout, etc. Tout le monde le sait, tout le monde dans l'équipe le sait. Mais, et donc, c'est un challenge. Et c'est donc à nous de... Et c'est important pour notre image. Les gens, quand ils sont contents, disent rien, en fait. Hein. Et quand ils ne sont pas contents, ça fait tout un truc. Ils sont contents, nous... très contents, pas longtemps, et voilà. Contents, longtemps. Exactement. Donc, nous savons tous que nous sommes attendus là-dessus, et donc, c'est un gros défi, et donc, on l'aborde de cette façon-là. On l'a abordé dans la préparation en amont, et quand je dis il y a beaucoup de choses qui sont prêtes, c'est vrai, hein. Toutes les figurines sont prêtes. Toutes les illustrations sont prêtes. Sur Solomon Kane, les illustrations n'étaient pas toutes faites. Hein, et il y en a énormément. Hein, les tuiles, sur Solomon Kane, on est parti dans un truc de malade. On a dit on va faire 200 tuiles différentes. Et 200 tuiles différentes. Un énorme projet, peut-être trop gros. Trop gros. En fait, Solomon Kane, on n'aurait jamais dû le faire comme ça. On aurait dû faire un truc plus simple et puis faire éventuellement une deuxième saison. Et ça, c'est des changements qui sont arrivés après. Et on a vu, au bout d'un moment, on a commencé à faire des projets moins colossaux, plus recentrés, plus... c'est arrivé avec Rage Buster, qui était déjà plus petit, même si ça reste quand même un gros jeu. C'est arrivé encore plus avec Super Fantasy Brawl, qui, pour le coup, est un tout petit jeu, ouais, 15 figurines seulement, et ça a très bien marché. Enchanter, c'est un jeu de cartes, c'est plus simple aussi. Steam Watchers, c'est un petit jeu également. Donc, on a commencé à le faire. Et celui-là, c'est... Je vais pas dire que c'est un petit jeu, mais... Et on repart sur un truc... Non. C'est pas un petit jeu, mais ça n'a rien à voir avec Solomon Kane. Il n'y a pas 200 tuiles à faire, la trilogie du Seigneur des Anneaux à écrire, il n'y a pas... Et le boulot est déjà en partie. Et le boulot est plus avancé que ne l'était Solomon Kane quand on a fait. Donc, tous ces facteurs me laissent à penser qu'on a quand même de bonnes chances de tenir les délais. Voilà. Et en tout cas, on va tout faire pour. Kevin, pour ce type de jeu, justement, vous savez bien le narratif, est-ce que vous avez réfléchi peut-être à faire une application, peut-être, pour justement éviter les gros bouquins, pour mettre ça en digital pour... Avec l'avantage certain de dire, s'il y a une coquille, mise à jour, je corrige, je suis tranquille. Alors après, c'est du démat. Ouais, et puis c'est du démat, et ça peut être source de retard, parce qu'une application, il faut la faire, il faut tout enregistrer, c'est du boulot, il faut que ce soit stable, il faut que... C'est pas si évident. On a des propositions, il y en a des gens qui se sont proposés, des lecteurs, des choses. Donc... 900 paragraphes, c'est beaucoup quand même, hein, et c'est 900 paragraphes à programmer.
Et c'est un travail en plus. Et si on doit gérer ça, pendant ce temps-là, on fait pas pas à l'aise avec ce concept, clairement. Non, c'est pour ça. La bande son, ça oui. Si c'est un truc, on va dire, juste pour mettre un peu d'ambiance, genre l'introduction ou quelques introductions, les introductions de chant, par exemple, ou voir, ça on ferait 13, voir introduction et conclusion même, voir les introductions et conclusions de scénarios, donc là déjà c'est un peu plus long, il y en a 40, pourquoi pas, mais tout faire, je pense que c'est risqué de justement d'avoir du retard, alors que les gens n'en veulent pas de retard, donc... Est-ce que l'entreprise a gagné un peu en maturité en se disant justement, il y a plein de choses qui sont super bien. Avant, j'y allais à fond. Et maintenant, je me dis, OK, respirons un peu, forcément. Et allons à l'essentiel. Forcément, ça c'est certain. Mais il faut garder un peu d'enthousiasme et de folie, je pense. Parce que sinon, si tout est trop calculé, si tout est fait, par exemple, nous, c'est vrai qu'on fait rarement un jeu totalement fini, il n'y a plus rien. On veut garder la possibilité de faire évoluer certaines choses ou de prendre des décisions à la dernière minute ou de laisser un peu d'incertitude, de laisser pas plus qu'une impression de faire ressentir à notre communauté qu'ils peuvent avoir une influence sur le produit. Et ça, c'est pas possible si tout est fini, si tout est terminé. Et donc, c'est vrai qu'on a toujours fait ça avec nos jeux. Il y a toujours eu des surprises pendant les campagnes, des choses. Là, en fonction du succès, peut-être qu'on va être obligé de dire, tiens, on n'a plus rien. Est-ce qu'on essaie de faire un dernier stretch goal? J'en sais rien. Si ça se passe bien, je sais pas si ce sera le cas, mais voilà. Donc, il y a une piste AD qui a été soumise. Des gens ont parlé de ça. Alors, il y a déjà une tour AD peut-être, non? Alors oui, alors la tour AD, c'est vrai que là, on voit qu'il y a une sorte de tour de. On aurait pu faire un truc comme ça avec une tour, mais on a déjà la piste AD, donc c'est un peu redondant, quoi. Voilà, donc on l'a pas fait. Et alors, sur Critic Game, un rythme de sortie quand même très soutenu en termes de KS, est-ce qu'il faudrait pas à un moment souffler un peu, finir le job, avant de repartir sur d'autres projets plus tard? Alors ça, c'est souvent aussi quelque chose qu'on nous ressort, donc le planning de Kickstarter, ça se décide pas comme ça, quoi. C'est pas aussi simple que de dire, allez, là, cette fois-ci, on fait pas de KS pendant 7 mois, et comme ça, c'est mieux pour l'image, etc. C'est pas une histoire de pas faire de KS pendant 7 mois, c'est de dire, j'ai fini, je livre, et je repars. C'est pour ça que les retards sont dramatiques, plus pour l'éditeur que pour les backers. Parce que la rentabilité d'un projet, elle dépend justement du temps qu'on passe dessus. Et plus on passe dessus de temps dessus, et ben moins c'est rentable. Et voire au bout d'un moment, on perd de l'argent. Et je pense que malheureusement, sur Solomon Kane, on perd de l'argent au final. Mais c'est pas grave. Il faut qu'on le finisse, qu'il soit le mieux possible. Et peut-être, s'il est bien reçu, on pourra refaire un reprint et se refaire. Mais c'est dramatique. Quand on a une grosse équipe, comme c'est le cas pour nous, pour essayer justement de finaliser, il faut les payer et tous les mois, et on va pas, voilà. Et donc, il faut du cash. Il faut du cash. Il faut gérer tout ça. On a quelqu'un qui le fait chez nous, dont c'est le métier. Et qui vous tape dessus tous les jours. et qui est pas content quand on est en retard. Et voilà. Donc, il y a tous ces aspects-là. En plus, cette impression qu'ont eu les gens, elle est renforcée par le fait que, en début d'année, on a lancé ce qu'on a appelé la Phoenix Line, qui est une coédition. Alors, vous voulez en parler, la Phoenix Line. Qui est une coédition. Pour nous, c'était pas un Kickstarter, Mythic Games, on est vraiment à 50-50 là-dessus, on s'est dit, est-ce qu'on le fait sur notre plateforme? Est-ce qu'on le fait sur leur plateforme? On s'est dit, si on essaie d'amener quelque chose, essayons de le faire sur notre plateforme. Sauf que les gens n'ont vu qu'un Mythic Games. Ce qui fait que. Présenter la chose, justement. Expliquer ce que c'est les gens. Ah oui. Les gens qui ne connaissent pas. Voilà. Alors, la Phoenix Line, c'est, depuis longtemps, on se dit, et c'était un peu avant le Covid, malheureusement, on se dit qu'on veut aller en boutique. Et qu'il y a de temps en temps, il y a des perles qu'on voit sur Kickstarter, qui sont vraiment des jeux, des petites perles, qu'on adore, que nous-mêmes, on en achète beaucoup, mais qui n'ont pas forcément eu le succès mérité. Ouais. Et qui iraient très bien en boutique, et qui n'ont pas de version française. Et on s'est dit,
pourquoi ne pas faire contacter donc les éditeurs de ces jeux-là, leur proposer un partenariat en disant voilà, on va ressortir votre jeu, il faudra rajouter une extension, on va faire une version française et il ira en boutique. D'accord. C'est ça le concept de la Phoenix Line, donc le Phoenix. Voilà, le Phoenix. Non, alors, non, le jeu renaît. Il renaît pas de ses cendres parce que c'était pas. Ce serait quand même dur. C'est, ouais, il est, il, ton jeu, il a moyen de mon marché. Voilà. tout un cadeau avec nous. Non, non, il a plutôt une deuxième vie, plus luxueux, luxueux, luxuriante, ouais. Voilà. Et donc, c'est venu de cette idée-là. Donc, on s'est dit, bah, là, le premier jeu de cette gamme, c'est Enchanters, qui est un jeu de cartes, un très très bon jeu de cartes, que nous avons, Non, mais il est, ouais, il est derrière. Là. Oui, je l'ai un petit peu en caméra, il est là. Voilà, que nous avons adoré. C'est un jeu qui s'installe en 10 minutes, qui s'explique en 10 minutes aussi, et qui est super fun, qui est vraiment bien. Et donc, on s'est dit, on va le faire. Sauf que notre premier vrai Kickstarter, c'était plus tard, c'était Steam Watchers. L'impression que ça a donné, c'est vraiment, ça a été deux Kickstarter très proches. Dessus le marché, il y a eu du retard sur les livraisons qu'on avait prévu de faire à cause du Covid. C'est-à-dire que Rage Busters, on a tout fait pour qu'il soit sur le bateau avant le nouvel an chinois, et heureusement, parce que sinon, excellent, il ne serait toujours pas livré là. Donc, il a été sur le... Mais même après ça, bah, au lieu de faire 5 semaines en bateau, ça a été 7 ou 8 semaines. Ensuite, il devait accoster à Anvers, impossible, c'était en quarantaine. Ensuite, le retard, ça a été parce qu'ils ont testé aussi les membres d'équipage. Ouais. Ensuite, une fois que c'est arrivé, le dédouanement a pris beaucoup plus de temps. Tout multiplié, ça donnait l'impression qu'on enchaînait les caisses, mais qu'on livrait rien. Alors que pour nous, dans nos plans, Rage Buster, il était déjà livré. Déjà, ça changeait les choses. Pour nous, dans notre tête, le premier jeu, c'était pas un jeu Mythic Games, ça comptait pas, on le comptait pas dans nos Kickstarter. Ça changeait aussi les choses. Donc, on s'est retrouvé avec, ils enchaînent en 15 jours. Parce que c'est vrai que ça a été en 15 jours. Il y a eu le Kickstarter de qui se terminait d'Enchanters. 15 jours après, il y avait Steam Watcher. Donc, on est revenu à la suite de ça. Après, il y a eu le Covid, etc. On est revenu à la suite de ça. On avait un autre projet de la Phoenix Line qui s'intercalait avant elle. On a dit, on le fait pas. Parce que les gens le voient, on le fera plus tard. On a donc décalé, donc on a fait cette chose-là. On a décalé. Hell, par contre, il est prévu en mai. Ça fait 2 ans qu'on travaille dessus. On va pas non plus le décaler. On ne sait pas quand est-ce que ça va durer la fin de ce Covid. Ouais. C'est pas possible. Donc, il y a des choix comme ça qui... Et puis, il y a une fenêtre de tir aussi pour les Kickstarter. On avait discuté avec les autres gros... On savait quand est-ce que commençait, se terminait Frosthaven. On savait quand est-ce que commençait, se terminait Ankh. On a même eu Awakened Realms avec Nemesis. Tout ça, on le sait. Et donc, c'est un peu comme les sorties cinéma. Eh ben, il y a une date. Les gens se mettent plus ou moins d'accord, de manière tacite ou pas, pour éviter, parce que il y a une fenêtre. Donc, si on le fait pas là en mai et que on le fait en juin, ben ça se trouve, on n'a pas le même succès et ça peut compter. Et si on n'a pas le même succès, eh ben la boîte, elle est pas dans les mêmes. Donc voilà pourquoi. C'est pas aussi simple de dire arrêtez d'enchaîner les KS et faites ça. C'est qu'il y a des dates, il y a une réalité économique, il y a une réalité globale, il y a une réalité aussi de planification, et de discussion avec les gens. Donc on a quand même tenu compte, on a un peu levé le pied, on a pas fait j'ai failli dire son nom d'ailleurs, pour l'instant c'est secret, non. Le deuxième Phoenix là, on l'a raté. Mais là on a fait voilà. Il est juste reporté. Il est juste reporté à plus tard. On aime bien en fait avoir des projets qui sont prêts et que on lance au moment opportun. On avait ça le frigo. Mais ne t'inquiète pas. Au moment opportun. Voilà. Donc voilà. C'était pas le moment opportun. On l'a pas fait. Entre temps, les choses ont quand même allé bien parce que il y a Super Fantasy Brawl. Ah ben, ça tombe justement, bien, on voulait en parler. Il suit le programme naturellement. C'est qu'on l'a bien écrit. Kevin, quelles sont tes questions sur... Super Fantasy Brawl. Oui. Alors, Super Fantasy Brawl, déjà... Super Fantasy Brawl, déjà, ce qu'on peut dire, c'est que les figurines sont imprimées. On a montré déjà des photos. Oui, tout est imprimé. J'ai mis la mienne au fond. et là, on est en train d'imprimer le papier. Une fois que ce sera fini, ça va partir. Donc, ça va être livré. Et dès que l'impression figurine est terminée,
Je voudrais vérifier, mais Solomon Kane avance. Donc, on est vraiment dans une période où on livre beaucoup de choses. On vient de livrer Rage Buster, on va livrer Super Fantasy Brawl, on va livrer Solomon Kane et on va livrer Enchanters. Quand tu dis on va livrer Super Fantasy Brawl, on peut donner une date ? Alors, la date, un créneau hein, parce que, encore une fois... Kevin, écoute. Non, mais c'est vrai que j'ai la réponse parce que tu en as parlé dans tes lives. Non, d'accord. Alors, je sais plus ce que j'ai dit dans mes lives, ni quoi. Je ne veux pas me tromper, mais normalement, il doit rester peut-être un mois maximum, peut-être un peu moins d'impression. Et après, il faut compter genre 5 semaines de bateau, plus, on va dire, 2 semaines de dédouanement et envoi, donc 8 semaines. Je sais pas à combien ça nous mène. On commence mais à jouer à la rentrée, on fait les premiers tournois. C'était août au départ. Après, voilà. Donc si on dit août-septembre, je pense que c'est à peu près ce qui va se passer, avec toutes les réserves de Covid, machin, mais bon, mais que les gens ne voient pas forcément. Au bout du compte, pendant la période du Covid, il y a quand même eu des trucs incroyables. Il y a des gens. Alors, Meeple Logistics. Ouais. Meeple Logistics, donc c'est Philibert, c'est quand même des professionnels, c'est quand même des gens qui ont l'habitude. Pendant la période de livraison, ils ont dit, nous, on ne peut pas travailler dans des conditions normales, on n'a que 50% de nos gars, il y en a qui ont eu attrapé le Covid, qui sont malades, il y en a qui ont peur. Ensuite, on a envoyé des colis qui nous sont revenus, donc voilà ce qu'on décide, on va livrer petit à petit, d'abord la France, ensuite on arrête de livrer les autres pays et on reprendra progressivement. On dit ça et on s'est fait incendier. Oui, c'est n'importe quoi. Vous nous racontez du pipeau. Les livraisons se passent normalement. J'ai commandé ça et je l'ai reçu. Donc, vous nous mentez. Les gens étaient tendus. Mais c'est n'importe quoi. On est dans une situation exceptionnelle quand même. On peut pas dire ça. Et qu'est-ce qu'ils imaginent qu'on va aller dire aux gens de Meeple, mais vous les gardez des boîtes. Et puis, reprenez le travail, les gars. Tant pis pour il y a des gens qui meurent, quoi. Il y a des gens qui meurent. On n'est pas dans une situation. Le fait d'être. Et nous, on a dit strictement ce qu'ils nous ont dit. Donc, c'est. Mais voilà, c'est pour dire que même quand ça paraît évident que là, on ne peut rien dire, eh ben non. Il y a des gens qui retrouvent à dire qu'ils nous ont traités de menteurs, Meeple Logistics d'incompétents et des choses comme ça. Donc, bon, on a essayé de répondre le plus professionnellement possible, mais c'est pour dire que. Voilà, t'as intérêt à avoir une sacrée motivation quand même. Ah ouais, c'est pas trop évident. Bah oui. Capacité de... Tu sens que là, oui, une espèce de rancœur qui est tenace à Mythic Games, vu les... Alors, pas tous quand même, pas tous, parce qu'on a quand même une communauté aussi, il y a beaucoup de gens qui nous ont défendus, c'est pas non plus la majorité des gens. C'est toujours le problème. Pas du tout. Voilà. Mais c'est pour dire que compter sur la mesure des gens et sur non, ce n'est pas gagné. Les gens qui nous suivent, notre communauté, souvent sont bienveillants et compréhensifs. Mais ils ne le disent pas forcément. C'est ça. Oui, non, mais de toute façon, la bienveillance est silencieuse et les autres crient très très fort. Voilà. Donc, ça fait partie des règles du jeu. De toute façon, je l'accepte. Nous l'acceptons tous. On essaie de répondre, on essaie de faire notre mieux. Et là, je suis pas en train de dire ça parce que là aussi, une fois, j'avais fait ça, on m'a dit oui, il fait son Calimero et machin. Non, j'essaie pas du tout. Oui. Ça fait partie des règles du jeu, je le sais, j'accepte. On essaie de se défendre, mais il faut être conscient quand il y a certaines critiques qui sont faites que les gens sont pas forcément mesurés ni voilà. C'est pas rationnel. C'est pas rationnel. Et puis au bout d'un moment, ça passe. Hein. Là, ça a été livré. Maintenant, tout Rage Buster a été livré, mais il n'a pas été livré. Selon nos estimations les plus même pas les plus optimistes, les plus conservatrices. On s'était dit quoi qu'il arrive ce sera livré là, ben finalement non, ça a pris plus de temps parce qu'on n'avait pas prévu le Covid, on n'avait pas prévu ces trucs là et donc c'est pour ça que donner des dates c'est toujours très risqué. Et là on donne une date, on fait le maximum, mais c'est toujours risqué, et quand on la tient pas, ben les gens ils vous trouvent pas des excuses, ils disent vous aviez dit ça, vous l'avez pas fait, vous êtes pas sérieux, etc. Certaines personnes. Il y avait sur Jeanne d'Arc, je crois qu'il y avait une question sur la 1.5 de Kevin. J'avais mis une question pour venir sur le jeu organisé. Alors, parlons-en. J'adore tout ce qui est jeu organisé, tournois, événements, etc. J'ai cru comprendre que sur ce jeu-là,
tu avais l'ambition de faire quelque chose. Ouais. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui. Ce jeu-là a été conçu dès le départ. On savait même pas si il irait sur Kickstarter. C'était vraiment un projet qui a été conçu pour aller en boutique. C'était vraiment un projet pour les boutiques. Mmh. On se dit, bah, ce qu'on va faire, vu que le jeu est prêt, tout est prêt, on va aller quand même sur Kickstarter. Ça permettra de rassembler une première communauté. Et ensuite, on ira en boutique et on proposera des nouveautés pour que même ceux qui ont été sur Kickstarter aille le jour de la sortie boutique compléter leur offre, amener des gens en boutique en plus de ceux qui vont le découvrir. Donc c'était gagnant-gagnant pour tout le monde. Le Kickstarter a fait bien plus que nos estimations, hein, pour vous dire. L'équipe anglaise disait, ce type de jeu là ça ne marche pas, maximum c'est 100 000-200 000 dollars que vous ferez. On a fini à 800 000 dollars, je crois, super rentable, plus le pledge manager. Ça a été le jeu le plus rentable qu'on ait fait. Donc c'était super. Et ensuite on a commencé à regarder la distribution et on s'est dit, il faut absolument, ce jeu se prête au jeu organisé, les gens savent ce qu'ils veulent, on va le faire. On a travaillé sur un programme de jeu organisé avec des récompenses et surtout en impliquant les distributeurs. On s'est dit, c'est pas nous qui allons faire le jeu organisé pour eux. C'est nous qui allons proposer des choses, des kits, par exemple, pour les boutiques. Ouais. Et on va laisser les distributeurs gérer ça avec leurs boutiques. Sur la France et l'Europe, ce distributeur, c'est Abyss Corp, qui a l'habitude du jeu organisé. Il le fait avec Yu-Gi-Oh!, avec Final Fantasy, il le fait avec Dragon Ball. Donc, quand même des jeux qui ont un bon suivi et tout ça. Et donc, ils ont craqué à mort sur le jeu et ils nous ont dit ah oui. Donc sur les États-Unis, on a fait appel à GTS, qui est un distributeur assez connu mais qui n'est pas Asmodée évidemment, voilà, et qui nous a dit pareil. Nicolas, pardon, tu sors. Il nous a dit voilà, ça nous intéresse. En fait, on a eu plus de précommandes que de jeux vendus pendant le Kickstarter. Donc, on était vraiment ravis. Sauf que, là encore, le Covid est arrivé. Et qui est le plus impacté par le Covid? Eh ben, ce sont les boutiques physiques. Et donc, les distributeurs. Et donc, on est dans une grosse incertitude en ce moment par rapport à ça, parce que notre distributeur américain, qui nous avait commandé ferme un certain nombre, il a divisé par 10 ses commandes en disant, je ne sais pas du tout, je ne sais pas quand est-ce qu'elles vont réouvrir, etc. Donc on ne sait pas si on va le faire, on ne sait même pas quand. Abyss Corp, ils n'ont pas changé, ils sont restés, mais ils étaient plus raisonnables au départ. Mais on se retrouve avec une difficulté. Est-ce qu'on va imprimer juste une partie et faire un lancement sur une partie du monde et pas sur le reste? C'est pas génial, quoi. Donc on attend en ce moment d'en savoir plus. Par rapport à ça, par rapport à l'impact qu'a eu ce virus sur les différents les boutiques, ouais, les boutiques physiques, voir la confirmation de quand quand est-ce que ça se termine, quelles commandes on va avoir, et s'il faut décaler la sortie boutique, et ben on décalera la sortie boutique. Et à ce moment-là, ce qu'il est envisageable de faire, c'est de refaire un Kickstarter avec, parce qu'on avait 6 champions, je crois, prévus pour les boutiques qu'on a déjà fait. On a les sculptures, je peux même vous les montrer. Leurs cartes sont faites. Est-ce que ça t'intéresse, Kevin? Non, du tout. Non, leurs cartes sont faites. Ouais. Et on se dit, bah, on pourrait très bien faire ça et puis décaler après. Mais je ne peux pas dire que ça va être ça, parce que si ça se trouve, là, on est en train de sortir de... C'est pas encore fait, hein. C'est très flou, hein. Non, je sais pas si vous avez deux. Vous voulez organiser le championnat de France de Super Fantasy World en novembre. Je fais partie d'un groupe de personnes qui organisent beaucoup d'événements comme ça. En effet, nous, c'est très compliqué jusqu'à décembre pour organiser quoi que ce soit. Et comme tu l'as dit, on ne sait pas. On ne sait pas si on pourra avoir une salle, on ne sait pas si les gens. Sur un endroit de réunir un certain nombre de personnes. Et même si les gens ont dans leur tête envie de se déplacer. Bah oui, c'est ça. On ne sait pas. On est dans une période très incertaine. Oui. Incertaine, exceptionnelle dans notre histoire. On n'a jamais connu ça. Donc, personne ne peut vraiment prévoir ce qui va se passer. C'est nouveau. Donc, on ne sait pas. Et donc, ce qu'on peut voir, c'est que
Kickstarter n'a pas été trop impacté. On voit que les projets sur Kickstarter marchent bien. Et dans donc le jeu. Dans le jeu. J'ai compris que Kickstarter avait très mal à côté. Mais dans le jeu, ça marche. Dans le jeu, dans les jeux vidéo. Ah ouais, bah oui. D'accord. En tout cas, les projets de jeux, de plateaux lancés sur Kickstarter n'ont pas eu l'air d'être trop impactés quand on voit les résultats. Ouais. En revanche, les boutiques physiques, je pense que là, ça peut jouer parce que c'était déjà difficile pour elles. Ouais. Là, elles ont eu zéro revenu, zéro rentrée. Les gens ne ressortent pas dans les rues, ils vont pas... Là, on le voit bien. Ouais, on voit bien, ouais. Si les gars faisaient pas de la vente par correspondance, ils étaient dans la difficulté. Donc, ça a été très dur pour eux. Donc, ça remet un peu en question la volonté et les idées qu'on avait sur ça. Alors, aller en boutique, ça reste quelque chose de très fort pour nous et on veut le faire. On a des projets, des produits qui sont totalement adaptés à ça. Super Fantasy Brawl, Steam Watchers également, et Enchanters, le jeu de cartes. Tout ça, c'est des jeux qui sont complètement taillés pour la boutique. Maintenant, est-ce que ce sera cette année ou est-ce que ce sera l'année prochaine que commenceront notre vrai baptême du feu? C'est difficile de le dire. Okay. Voilà. Donc, bon courage, en tout cas. Si on a toujours l'ambition, la volonté de le faire, merci beaucoup. ce qu'on va essayer de faire, c'est si on peut pas le lancer en boutique tout de suite, c'est peut-être refaire un Kickstarter avec une livraison qui sera pas de un an, parce que c'est une réimpression, tout est fait, donc ça peut aller beaucoup plus vite. Et si on rajoute quelques figurines, c'est absolument pas un problème. On n'a pas tout à faire, le livret de règles est fait, tout est fait, donc ça pourrait être une alternative. Ça permet de continuer à faire vivre le jeu, de lui montrer des nouvelles choses et de pas remettre à un an, parce que s'il se passe rien pendant un an, les gens reçoivent leur jeu, ils vont pas être contents. Donc c'est un jeu qui doit vivre régulièrement avec des sorties, avec des nouvelles. Ce qui fait que si on fait cette réimpression, on peut s'attirer un nouveau public qui va reprendre le jeu, et ceux qui avaient déjà le jeu, ils commandent les nouveaux personnages et ils les ont quelques mois après. Ça peut être intéressant parce qu'ils ont le temps d'essayer les 15 personnages qu'on a proposés jusqu'à présent, et puis ensuite ils en reçoivent entre 3 et 6 quelques mois après. D'accord. Et ça, c'est... Il y a un plan B. Voilà, il y a un plan B, exactement. C'est tout à fait ça. C'est un plan B. Si le plan A peut fonctionner, on préfère le plan A. Ouais. Mais si ça ne fonctionne pas... Ça ne tue pas le jeu pour autant. Ça ne tue pas le jeu pour autant. Il y a une histoire qui continue. Et on décale la sortie boutique du temps qu'il faudra. D'accord. Et à ce moment-là, parce qu'on voulait plus retourner sur Kickstarter, sur Super Fantasy Brawl. C'était vraiment, c'était vraiment le lancement initial. Attends, on peut être contraint d'y retourner, mais c'est une adaptation et c'est pour le bien de tous. C'est pour le bien du jeu, de la communauté. Donc toi, t'imagines un futur à ce jeu-là, avec continuellement des nouvelles boîtes qui sortent, des nouvelles façons de jouer, des nouveaux gameplays. Des nouvelles arènes ou des choses comme ça. Quoi. Mais tout est possible. Au départ, on va d'abord bien se concentrer sur ce qu'il y a là, et ensuite, évidemment, c'est un jeu qui a beaucoup d'avenir. Enfin, c'est un jeu qui génère beaucoup d'enthousiasme de la part de ceux qui l'essayent. Et je m'attends à un très très bon accueil. On va voir. Hein, on a hâte. Toujours des surprises, mais franchement, sur celui-ci, je vois pas ce qui pourrait déplaire aux gens, parce que ils peuvent déjà jouer sur Tabletopia, il y en a qui le font, ils n'arrêtent pas. Il y a plein de gens qui tournent des vidéos, qui nous contactent, il y a un grand enthousiasme, vous-même, voilà. Je pense que ce jeu a un bel avenir. Voilà, il faut s'adapter aux circonstances, et c'est ce qu'on va peut-être être obligé de faire. Mais c'est pas encore certain, parce qu'on ne sait pas. Jeanne d'Arc. Ouais. Parlant d'avenir, Jeanne d'Arc. Oui. Un peu une grosse zone d'ombre. Oui. Avec un problème qui, justement, je voulais savoir si ça pouvait risquer même carrément l'avenir du jeu. Est-ce que ça peut avoir un risque? Alors, l'avenir du jeu. Alors, déjà, est-ce oui, que tu peux forcément. Un peu ce que... Alors, ce qui s'est passé, c'est que ce jeu a été commandé au départ à un auteur qui s'appelle Pascal Bernard, qui est un ami de longue date au départ. Je dis longue date, c'est fait peut-être 20 ans, 25 ans qu'on se connaît et qu'on s'apprécie. Et à une époque où Mythic Games n'existait pas encore. Voilà. Y a un contrat qui a été signé et au moment de la livraison du jeu, il y a eu un désaccord sur la rémunération, sur l'assiette de rémunération du jeu et un certain nombre de choses.
Et malheureusement, au lieu que ça se discute entre amis, je veux dire, ça s'est fait par avocat interposé, et donc il y a un litige par rapport à ça. Mmh. Voilà. On a essayé, alors c'est pas facile, et c'est vraiment quelque chose qu'on déteste, on aurait tellement préféré éviter ça, parce que ça ne sert personne, hein. Mais malheureusement, ça a été mis sur la place publique, et donc il a fallu en parler, ouais. Et essayer de le présenter le plus professionnellement possible, ce que nous avons essayé de faire en disant que nous recherchions une solution amiable, voilà. Et qu'en attendant, l'important pour nous, vu que c'est arrivé après le reprint, hein, donc on a fait une campagne de reprint, que l'auteur savait, hein, il avait validé, il était impliqué, les stretch goals, c'est lui qui les a définis, on en a parlé ensemble, voilà, il y a plein de choses comme ça qui font que ça faisait partie du plan, sauf que il y a eu cette histoire de désaccord sur la façon de calculer. Okay. Voilà, bon. Donc, on s'est dit, on a une obligation, on a fait ce Kickstarter et il faut qu'on règle l'histoire, ce litige, parce qu'en effet, ça pose une zone d'ombre sur le futur, parce que nous-mêmes, on n'a pas envie de continuer à travailler avec un auteur avec qui ça se passe pas bien, et surtout de prendre d'autres risques. On n'aurait pas fait ce reprint ou même autre chose si voilà, si on en était à ce point. Donc là, ce qu'on fait, c'est qu'on cherche une solution amiable, et j'ai repris aussi contact, et j'espère que on va la trouver bientôt. Voilà. J'espère toujours qu'on va la trouver bientôt. Ce serait la meilleure sortie de cette situation, et c'est ce qui serait de plus de nature à rassurer les gens. Si ça n'était pas le cas, on est parti pour une procédure. Ce sont les tribunaux qui décideront qui a raison ou tort dans cette histoire, mais ça prendra du temps. Et ce que nous voulons faire, c'est livrer nos backers, ceux qui nous ont fait confiance, avant cela. Voilà. Donc là, ça concerne les backers du reprint. Les backers du reprint, oui, puisque les autres ont reçu déjà le jeu. Hein, voilà. Donc les backers du reprint, on veut qu'ils reçoivent ceux qu'ils ont achetés. Pour nous, c'est le plus important. On tient notre promesse, on fait les choses et on règle ensuite. On voit avec la justice ce qui se passe ou pas. Maintenant, si on trouve un accord amiable, ce qui n'est pas impossible, j'espère que ça va marcher, en tout cas, je fais tout pour, hein, je peux vous le dire, si on trouve un accord amiable, eh bien, à ce moment-là, ce sera résolu, on l'annoncera, on livrera le jeu, et à partir du moment où le reprint sera livré, on fera un point pour voir l'avenir. Mais le plus important, avant de parler d'avenir, c'est déjà d'assurer ce qu'on a promis à nos backers, et donc de le faire pour... voilà, de livrer un reprint bien. On a déjà montré pas mal de choses, hein. Ceux qui suivent, ils ont vu des règles qui sont mises à jour, on revoit tous les scénarios, on rééquilibre tous les scénarios, et on le met en ligne, hein, ce qui fait que les gens qui ont déjà le jeu peuvent rejouer et profiter de toutes ces avancées, et ça on le fait progressivement. Donc nous, c'est vraiment l'implication qu'on a vis-à-vis de notre communauté qui est le plus important, plus que, on va dire, la blessure que ça a pu être de se retrouver dans cette situation pour la première fois de ma vie, hein, et pour la première fois, évidemment, dans la vie de Mythic Games également. Mmh. On travaille avec beaucoup d'auteurs. On n'a jamais eu de problème. On a toujours tout payé. On n'est pas des gens malhonnêtes. On n'est pas... Donc, voilà, c'est... Et ça, c'est important. Mais même cette tâche sur notre, on va dire, notre réputation n'est pas aussi importante pour moi que de tenir notre promesse vis-à-vis de gens qui nous font confiance. Voilà. Donc alors après, si on sort grâce à un accord amiable, bah, au bout d'un moment, tout ça se sera oublié. Voilà. Et c'est. Mais voilà, en gros, la situation, elle est celle-là. On travaille, on avance bien sur Chevalier Teutonique. Sur Chevalier Teutonique, sur la révision de tous les scénarios, etc. On va, alors, est-ce qu'on sera dans les délais? On va voir. Hein. C'est sûr que cette histoire ne nous a pas facilité les choses, parce qu'on se pose tout le temps des questions, on est tout le temps... Mais bon, on avance, hein, du mieux possible. On essaye justement de rester proche aussi de ce que voulait l'auteur sur ce jeu-là. L'originalité. Voilà, pas donc, dénaturer le jeu. Voilà, pas dénaturer le jeu, que ce soit bien une réimpression améliorée et révisée, et pas une seconde édition, c'est pour ça qu'on ne l'a pas appelé deuxième édition. Mmh. Et que... Même les lignes directrices qu'il avait tracées sur Teutonique et sur d'autres soient respectées.
Donc, plutôt que de dire, on s'en fout, on part sur autre chose. Mmh. Moi, j'ai toujours fait attention à ça, même, et c'est quelque chose que j'ai, des instructions que j'ai données à nos équipes de développement. Non, non, vous suivez ce qui avait été. Pledger un jeu pour sa nature essentielle et ils veulent pas que ce soit dénaturé. Voilà, exactement. Donc voilà. Donc on reste sur ça en se disant de toute façon c'est ce qu'il faut faire et puis on verra comment tout ça se termine. On n'a pas voulu ça. Hein. Moi j'aurais préféré que ça se règle face à face en devant une table. On a été face à un mur, impossible de discuter. Peut-être que là ça va redevenir possible après des mois. Hein. Et si c'est le cas, je m'en réjouis. Et si on peut trouver une solution, et je pense que en face à face on trouve une solution plus facilement que par un avocat interposé, ça je l'ai constaté. Okay. Et ben on trouvera une sortie à tout ça, et je pense que ce sera bien pour tout le monde. Voilà. Bon, on peut parler un peu de la boîte Mythic Games. Mmh. Mythic Games, on en parlait tout à l'heure avant de commencer l'émission, c'est plusieurs équipes réparties géographiquement. Tu peux nous expliquer un peu combien de personnes, puis c'est l'historique de la boîte aussi. Oui, puis l'historique de la boîte. C'est une boîte qui existe depuis janvier 2016. Et d'ailleurs, quand on parle de Jeanne d'Arc, Jeanne d'Arc avait été fait décidé avant, hein, donc la boîte n'existait pas encore. C'est bicéphale. C'est bicéphale. Nous sommes deux associés à 50%, donc il y a Benoît Vogt, qui est l'auteur de Mythic Battles et qui est également quelqu'un qui vit au Luxembourg. Ses enfants sont nés au Luxembourg, ils sont luxembourgeois, donc c'est pour expliquer que, parce que voilà, oui, vous êtes au Luxembourg, il y a une société luxembourgeoise, il y a encore un truc louche, etc. Non, il vit là-bas. Il vit là-bas. Être obligé de t'expliquer. Depuis, ça. Non, on s'inquiète pas des deux mecs armés. On va regarder les comptes. Ah, donc, du coup, il y a une petite partie de l'équipe qui est au Luxembourg. Il y a donc mon associé, on est à 50%. Il y a un sculpteur qui est un sculpteur luxembourgeois qui vit là-bas, donc c'est assez rigolo. Nous avons un bureau parisien qui est le plus gros, la plus grosse structure. Alors combien on est ? Je crois qu'on est 12. On est 12 dans ces bureaux là, c'est de la salle de réunion. Vous avez vu un petit peu, vous avez fait le tour. On a une petite structure toujours en Angleterre. Alors elle était plus nombreuse. C'est vrai qu'on s'est séparé de pas mal de gens là-bas. Brexit. C'est pas vraiment le Brexit, c'est parce que, on avait grimpé à plus de salariés et on a eu du retard sur nos jeux et donc il fallait prendre une décision, se réorganiser pour être plus efficace et avoir une masse salariale moins élevée, moins importante pour assurer, pour être plus sûr, parce que ces retards coûtent cher et donc on s'était dit si on fait pas quelque chose rapidement, on risque de se retrouver dans une situation difficile. Donc on a pris une décision difficile, ça a été plus de justement de nous séparer du bureau anglais, en gardant quand même une petite structure, et aujourd'hui on commence à reprendre des personnes qui étaient là-bas et qui reviennent. Donc certains travaillent en freelance pour nous, des anciens, d'autres on va peut-être les réengager. Donc voilà, ça, on a toujours une structure, mais elle était beaucoup plus grosse, elle était pratiquement équivalente à celle qu'on a à Paris, hein. Donc on avait vraiment le bureau anglais, le bureau français, parisien, on va dire, qui était à égalité. Aujourd'hui, maintenant, c'est vraiment... peut-être des doublons de ressources qui n'étaient pas nécessaires. Peut-être, ben oui, c'est tout ça. On a vraiment réfléchi à ce qu'on devait faire. Est-ce que... voilà. Tu parlais dans les difficultés passées, c'était justement la distanciation, la répartition géographique des équipes. C'est plus le cas aujourd'hui, malgré cette répartition que tu évoques. Non, c'est plus le cas parce que les équipes, par exemple, qui travaillent sur un jeu sont regroupées sur place. Par exemple, l'équipe qui travaille sur Sim Watchers, eh ben, ils sont tous dans le sud. L'équipe qui travaille sur Hell, ils sont tous à Paris. Voilà. Donc et actuellement, si on fait appel à des gens en Angleterre, ça va être plus pour les localisations anglaises. Donc c'est logique qu'ils soient là-bas, ou pour du marketing en anglais aussi, ou commerce. Voilà. Donc je pense qu'on est mieux structuré, mieux organisé et plus efficace. Exactement. Et en plus, c'est plus économe parce que on a baissé notre temps. Tu gagnes en réactivité, hein, de toute façon. Ouais, c'est ça, hein, et voilà. Et aux États-Unis, vous avez des gens? On a une personne, on a deux personnes aux États-Unis. On a Sam Healy, qui est un ancien de Dice Tower, qui s'occupe plus de la communauté américaine et qui nous aide aussi dans notre communication, puisqu'on fait maintenant toutes les semaines une communication en anglais sur tous nos projets, parce que ça fait partie aussi de notre contrat avec nos backers, c'est qu'on dit, ben voilà, quoi qu'il arrive,
quand vous backez un de nos jeux, vous savez que vous serez informé toutes les semaines sur ce jeu. Alors, c'est un gros travail, hein, c'est beaucoup d'organisation, mais au moins, les gens sont informés, et c'est peut-être pour ça qu'ils nous font confiance aussi, hein, c'est parce que ils sont pas dans le warp pendant un an, sans savoir. Merci. Donc, on a Sam Healy, on a Marco Cervone, alors, je sais pas comment il le dirait, qui est lui, un Américain, également italien. Donc, il parle les deux langues. Bon. Maintenant, on a surtout utilisé en américain, mais voilà. Et lui, il fait plein de choses, hein, notamment, on a le service client de Mitigame, c'est un boulot mais monstrueux. Hein. Vous imaginez pas le nombre de courriers, de mails qu'on reçoit. Et on a deux, trois personnes qui travaillent presque à plein temps là-dessus. Quoi. C'est un travail colossal. Et puis, il nous aide aussi pour les commentaires, parce qu'on a des commentaires aussi. Ouais, ouais. Il faut tout le temps poser des commentaires, répondre aux commentaires sur les différentes pages test. Avoir une vie dans les réseaux sociaux. Une vie dans les réseaux sociaux. Ouais. C'est un travail colossal. C'est un travail colossal. On est plusieurs. Moi-même, j'en fais un petit peu. Mais eux aussi, ils passent leur temps à ça. Et on ne veut pas laisser tomber le moindre jeu. Donc, on est présent sur tous nos jeux. Évidemment, quand les jeux seront livrés, qu'il n'y aura plus rien à dire, peut-être qu'on peut arrêter un petit peu. Et il faudra reprendre son souffle et refaire autre chose. Mais pour l'instant, c'est ça. Donc, voilà, je crois que j'ai à peu près résumé. Tu as évoqué une équipe dans le Sud ? Oui, on a une équipe dans le Sud. Donc, on a Stéphane Gantiez, qui est... Un de nos directeurs artistiques, hein, puisqu'on a, on a aussi Christophe Madura. Hein, donc, on a, alors, la équipe dans le Sud, c'est notamment pour ce jeu. Sur ce jeu-là, on a deux personnes qui sont là-bas. Sur Steam Watchers. On a Marc Lagroix, qui est un auteur, mais qui n'est pas un salarié, mais qui fait des réunions régulièrement. En ce moment où je vous parle, là, ils sont en séminaire. Tous ensemble, donc il a fallu faire les attestations parce que il fallait se déplacer de plus de 100 km. Enfin, c'est un peu pénible, mais jusqu'à présent, ils le faisaient sur Tabletop Simulator. Là, maintenant, on a le droit de se déplacer à nouveau. Ils ont sauté sur l'occasion pour avancer à fond sur Steam Watchers. Donc, Marc, Stéphane et Mathieu, donc Rivero. Donc voilà, ça fait. Alors Mathieu Rivero, lui, c'est un externe, hein, il n'est pas sérieux, mais il travaille régulièrement pour nous dans les traductions, dans les commentaires et dans l'équipe de développement de Steam Watchers. Sur Paris, on est pas mal, hein, je vous ai dit, on est 12 et là cette fois-ci c'est une équipe autonome, hein, qui travaille notamment sur elle, mais aussi parfois aussi sur d'autres choses. Je crois que j'ai fait le tour, hein, je vous ai parlé des gens aussi en Angleterre. Et là, la proportion de clients, backers, je ne sais pas comment on peut dire, les Américains sont vachement plus nombreux. Un truc comme elle, la proportion US-Europe, C'est largement, oui, là on commence à voir, c'est largement les Américains en tête. Et peut-être plus encore sur ce jeu que sur nos précédents jeux. Puisque je crois qu'il y a trois fois plus d'Américains que de Français. Ce qui est énorme par rapport à nous. Donc, on est quand même, la communauté française, elle est deuxième, donc américain, français. Ensuite, Plus nombreux que nous en même temps. Ils sont plus nombreux. Voilà, ils sont plus nombreux. Mais là, si on rajoute les Américains, les Anglais, les Australiens, les Canadiens anglophones, on est à plus de la moitié de nos backers qui sont de langue anglaise native, hein, donc c'est énorme. Et après, il y a d'autres pays qui achètent souvent en anglais. Mais sur ce jeu-là, c'est vrai qu'on a cinq langues. Donc, 900 paragraphes en anglais à faire. Exactement. Voilà. Mais donc aujourd'hui, on est, je crois, 20 salariés. D'accord. On est 20 salariés. On était descendu à moins que ça, hein, et on a re-embauché depuis. Et on fait attention, on fait très très attention à ça. On essaye de pas être en retard, de pas prendre un salarié de plus que nécessaire, parce que en fait, c'est si on dépense trop, si on ne tient pas son budget, on est en difficulté. Voilà, c'est un équilibre délicat à gérer. Mais nous avons fait le choix, parce qu'on pourrait aussi ne faire différemment, on pourrait ne travailler qu'avec des externes, c'est un choix qui se respecte totalement, hein, et qui est peut-être plus sécure en fait. Hein, mais dans ces cas-là, c'est plus difficile d'avoir vraiment un esprit d'équipe et d'avoir des gens aussi impliqués que la quand. La nature des projets, je pense qu'il faut. Et les coûts sont différents. Et les coûts sont différents, voilà. Donc, on aurait pu faire ça, dire on prend presque personne, on fait tout en externe, mais je pense qu'il n'y aurait pas l'âme qu'on peut réussir à mettre quand on a une équipe qui travaille 24 heures sur 24 sur un projet qui est tout le temps. Je pense que ça apporte quand même quelque chose. Et donc nous avons fait ce choix risqué
d'embaucher des gens pour essayer de faire nos projets et de développer des jeux. Et ça signifie qu'il faut que régulièrement on sorte des Kickstarter. On peut pas laisser des gens sans travailler, continuer à les payer. Et c'est pour ça que, voilà, après trouver le bon rythme. Peut-être que oui, on s'est peut-être planté. On n'avait pas vu comment ça allait être perçu. Mais... que pendant que l'équipe de logistique fait la livraison, les mecs de la créa, ils n'ont rien à faire. C'est ça. C'est ça. Il faut tout le temps, à partir du moment où ce sont des salariés, tout le temps tourner et que chacun ait du travail, qu'on prépare des projets et que ça roule en fait d'un projet à l'autre. C'est un petit peu ça. Mais d'ailleurs, en parlant de projet, tu peux nous dire des petites choses pour l'année prochaine. Est-ce que vous avez déjà des... Alors, on a des projets, bien c'est sûr. C'est l'instant où tu te confies. Là. Il y a un canapé, je crois. Est-ce que vous êtes toujours dans une politique de faire des jeux vraiment sans licence? Est-ce que vous allez faire 50-50, parce que vous avez fait ça avec Solomon Kane? Donc, est-ce que vous allez vous relancer un peu là-dedans? Enfin, voilà, ça va être... C'est une très bonne question, et c'est vrai que je suis réticent souvent de parler des prochains projets quand on est toujours sur une campagne, parce que voilà, on est concentré là-dessus, et... Je pense que tout le monde a compris ton implication. Ouais. Donc, tu ne vas pas te desservir en ouvrant. Mais oui, bien sûr que nous avons d'autres projets. Et c'est vrai qu'il y a des avantages à faire appel à des licences quand elles sont bien choisies. Ce n'est pas toujours facile. Ouais. Et il y a des intérêts, des avantages à développer ses propres IP. Ouais. Et, on a un petit peu fait les deux jusqu'à présent. On n'a pas eu beaucoup de licences, il me semble. On a eu Solomon Kane, mais c'est tout. Bon, mais à l'avenir, il y en aura-t-il? Oui, il y en aura. Il y en aura. Sans le dire. Il y en aura. Si, il va le dire. Il y en aura. Star Wars. C'est l'Arlésienne. Qui veut le gâteau Star Wars? Non, il y en aura. Mais il y aura aussi toujours des IP originales. On va essayer de trouver le bon équilibre. L'IP, ça nous permet de toucher un autre public, ça nous permet d'essayer d'aller au-delà de notre communauté habituelle. Donc, ouais, c'est ce que tout le monde... Propriété intellectuelle, pour ceux qui voilà. Ah, oui, nous oui, écoutent. Oui, oui. Et oui, il y en aura. Et il y en a une en particulier... qui est assez irrésistible, mais... Il va craquer. Je pense, franchement, sur le papier, ça me paraît énorme et intelligent, et c'est pas forcément les trucs auxquels les gens s'attendent, mais je pense que il y a vraiment un gros potentiel, et c'est un projet aussi que j'adore, qui a été développé depuis longtemps, et qui a séduit le propriétaire de cette IP, enfin l'un des responsables de cette IP, qui est quand même un gros truc, qui a essayé le jeu, qui a adoré. Cette IP, elle n'a pas toujours été chez nous, elle devait être développée ailleurs, et puis il est revenu, lui il les mène au jeu, donc c'est comme ça que ça a pu se faire. C'est-à-dire que nous on adorait cette IP, on les a contactés, et il se trouve que lui, il était fan des jeux Mythic Games. Et il m'a dit, le problème, c'est que cette IP, j'essaie de pas dire, pas faire de gaffe, le problème, c'est que cette IP, elle a été... C'est ce qui est là-bas. Oui, ok, d'accord. Non, c'est juste pour pouvoir te suivre. Ok. C'est que cette IP, elle est développée par une autre société, donc il faudrait que... Sauf qu'on n'est pas content, parce qu'il s'est rien passé, que ça met du temps, etc. Il faudrait que je... Il faudrait que je dénonce le contrat pour que vous la récupériez. Mais uniquement parce que je ne suis pas content. De toute façon, je comptais arrêter, ça n'a pas avancé. Et finalement, on a récupéré l'IP et on a pu la travailler. Et il a essayé, il a vu, il a été totalement séduit par le jeu. Ça a été fait par des gens qui étaient des gros fans de l'IP en question. Et qui avait commencé à travailler sur une adaptation. Donc, on n'est pas parti de zéro, en plus. On n'est pas dit, on part là-dessus. On est parti d'un prototype qui a été travaillé, développé, etc. Voilà. Et je pense que c'est... On n'en demande pas plus. Voilà. On a compris que... En manière plus large, comment ça se passe, la création d'un nouveau projet chez toi? Alors, souvent, c'est d'abord l'idée du projet. C'est d'abord l'idée du projet. Il faut que ce soit quelque chose qui fasse rêver.
n'y a pas de règle particulière, c'est pas, bah tiens, on va aller chercher, on va dire, tiens, ce serait bien de faire un jeu là-dessus. C'est plus des choses qui s'imposent avec les gens qu'on connaît, les contacts. Il y a une idée, ah bah tiens, ça, ce serait sympa, et puis moi, j'ai ça. Ou alors, on va dans un salon, j'ai essayé ce jeu, c'est super, ou ce système de jeu, et tout ça. Mais ce que je sais qui est systématique, c'est que ça prend du temps. C'est qu'il faut... voilà, il faut laisser mûrir tout ça, il faut... Ça n'arrivera jamais... que on ait une idée d'un projet et trois mois après ils sortent ou ils soient prêts, c'est impossible. Il faut sur un cycle de deux ans. Ouais, exactement. De un ou deux ans, c'est ce qu'on retrouve à chaque fois. Entre le début de l'idée et la volonté de le faire et le moment où ça arrive sur Kickstarter, je dis même pas. Oui, d'accord. Hein. C'est-à-dire qu'au rythme de sortie que tu as, t'as beaucoup de choses dans la tête là. Ah bah oui. Là, je parle du prochain, mais je pourrais vous dire, on a plein de projets qui avancent en parallèle. Voilà, et c'est vrai que les gens ne voient pas ça parce que ils voient le projet, présent, le moment l'instant présent, mais en fait, l'envers du décor, c'est qu'il y a beaucoup de travail et tout, en permanence et l'idéal pour un éditeur, c'est quand des projets sont arrivés au bout et qu'ils sont prêts à être lancés et qu'on se décide est-ce qu'on le fait, est-ce qu'on le fait pas, est-ce qu'on le reporte. Et quand on en est là, c'est super. Et Hell était arrivé à ce stade où il était prêt. Il était prêt, il fallait qu'on le sorte. On a décalé le précédent, mais on n'a pas voulu décaler celui-là parce que celui-là, on savait que on savait ce qu'il y avait à dire et voilà. Et puis c'est un succès. Et c'est un succès. C'est notre premier, c'est notre plus gros succès. Oui. On est, je crois, à 11 000 backers pratiquement au moment où on se parle. Oui. Il reste 6 jours, 11 000 backers avant 6 jours, c'est quand même pas mal. Hein. On a battu le record. On n'a pas encore battu le record de Mythic Battles, parce que Mythic Battles, Jeanne d'Arc, on n'a fait même pas 10 000 backers, je crois, sur le Kickstarter, on est pas loin de 10 000. Ouais, 9 900 et tout ça. Je crois que sur Mythic Battles, on avait dû faire 13 000 backers, je crois, 13 000, 13 500, ce qui était déjà énorme. Hein. Mais c'était une autre époque, hein. C'était il y a 4 ans. Si on arrive aujourd'hui à faire plus que ça, parce que j'ai pledge. Je crois qu'on va y arriver. Ça nous fait vraiment très plaisir et ça nous booste à fond. Et c'est un signe aussi. Hein. Ça veut dire que quand on a bien travaillé, qu'on a un truc solide et qu'on tient compte de notre expérience et qu'on s'améliore, et ben les backers peuvent répondre présent. Et voilà, je pense que là on a, c'est pas fini, donc je vais pas dire c'est gagné, hein, parce que tant que c'est pas fini, c'est pas fini, comme disent les Américains, mais ça se présente bien et on est bien parti pour faire notre record sur ce jeu. Voilà. Bravo. Bravo. Léo, félicitations. Merci. Merci à vous. On va te laisser un petit peu de temps parce que je crois que tu as une échéance. Ah oui, oui. D'ici une heure et je ne veux pas te prendre tout ton temps qui est précieux. Mais j'ai pas vu le temps passer. Hein. Alors j'espère que les gens qui regardent aussi, ils n'auront pas vu le temps passer parce que. Ils ont l'habitude avec nous. On est parti pour un deuxième volume de la guilde qui sera tout aussi passionnant que le premier. Et moi ça m'enchante. Je te remercie encore de nous avoir accueillis ici parce que on se sent bien. On est bien. Merci de ta franchise. Il y a eu des sujets évoqués qui n'étaient pas faciles, mais voilà, tu nous avais dit transparence et tout est OK. Ça va commencer à coller à la formule. Ça pouvait inspirer les prochains. Bah c'est ça. Voilà. Bah écoute, moi c'est moi qui tiens à vous remercier parce que vous êtes quand même venu dans mon antre, et un jour férié en plus, donc franchement, vraiment merci, j'ai passé un très très bon moment, et c'est ce genre de, c'est ce que j'aime, c'est-à-dire des gens passionnés qui posent toutes les questions, parce que voilà, vous avez, comme tu dis, vous avez vraiment posé les questions que vous vouliez, et les questions que sans doute les gens se posent, donc c'est très bien, mais... on sent qu'il y a de la passion, on sent qu'il y a du respect, on sent qu'il y a de l'amour du jeu, et pour moi c'est important. Et il n'y a pas la volonté de sensationnel ou tout ça. C'est vraiment de l'information et du respect. Voilà, pour moi c'est important. Le respect des gens qui travaillent. Pour moi c'est important. Quand je me sens blessé, c'est pas pour moi. C'est vraiment pour l'équipe. C'est pour mon équipe. Quand des gens travaillent pendant deux ans et que ils se font traiter de incompétents ou c'est un scandale ou c'est de la merde,
Ben moi, ça me fait mal pour eux parce que c'est pas juste. On fait un travail de passionné. Voilà, il y a des façons de dire les choses. C'est ça en fait. Hein, et voilà. Et à partir du moment où il y a du respect, qu'on fasse des critiques, qu'on dise, il n'y a aucun problème. Je comprends totalement. Voilà. Normalement, la vidéo, elle sortira d'ici vendredi. Restera quelques jours. À elle pour transformer l'essai. J'ose même pas dire ça, c'est déjà au-dessus de toutes les espérances. On y reviendra, nous, de toute façon, sur la page dès qu'on le recevra. Merci, merci à Thomas, merci à Kevin, et puis merci à Nico. Merci Léo, merci Pierre. Merci à vous tous. Et à très bientôt. Merci beaucoup.